Coucou, bienvenue au podcast. Cette semaine, c'est un peu différent. Je reçois Geneviève Evrel, une entrepreneuse, c'est une faute de français, entrepreneuse. C'est elle qui a Sushi à la maison, une entreprise extrêmement profitable. La raison pourquoi je l'ai invitée, c'était pour parler de son entreprise, mais finalement, on a parlé de sa vie qui est rocambolesque. Sa vie, c'est un film. Je veux dire, l'heure que vous apprêtez à écouter le podcast, c'est Aurore, l'enfant martyr, en 2000. C'est rien, c'est ça, c'est ni plus ni moins qu'Aurore, l'enfant martyr, dans les années 2000. C'est une histoire tragique, c'est une histoire perturbante, mais le plus touchant, c'est que Geneviève est sortie vivante de ça, est sortie forte de ça. C'est exceptionnel. C'est une histoire très bien racontée. C'est une super bonne communicatrice, Geneviève. Voilà. J'ai pas grand-chose à dire. Tout est dit dans le podcast. Je vous laisse le plus rapidement possible suspendu aux lèvres de Geneviève. Je vous laisse. Let's go. On commence le podcast. Bon podcast avec Geneviève Evrel. Merci de passer au studio. Je suis vraiment contente. Yeah! Merci de ton enthousiasme. Ça, je suis très heureux. Ah non, je te jure, j'étais comme, wow, je suis comme ici. Je suis vraiment contente, pour vrai. Je te swipe, puis je te regarde, puis là, je suis comme là. Fait que je suis vraiment... Ouais. J'aime comment tu... Ça, c'est moi dans mon lit du soir. Comme tout le monde, finalement. Commençons de manière abrupte et agressive. Tu es née où et en quelle année? Hey, je suis née à Limoilou, Québec, en 1986. Oh, à Limoilou! Oui! OK, super quartier! C'est là où la grosse tabarnak vient? C'est vrai? Oui! Tu vis dans le même quartier, la grosse tabarnak! Limoilou! Oui! Alors, comment était ton enfance à Limoilou? Mon enfance était vraiment tout croche. Mais ce qui est cool, c'est que je le savais pas. Tu sais, quand tu penses que c'est ça la vie, fait que tu sais, je viens d'une famille vraiment. Ma mère était. Ben, t'es-tu prêt, mettons? Je t'écoute. Non, mais juste être sûr. Je suis vrai. Parfait. Ma mère était junkie, prostituée, alcoolique, toxicomane, narcomane. Mon père était alcoolique, tranquille, de son bord. Un hic. Non, ouais, un hic. Non, il y avait quand même quelques substances, mais pas mal moins trash que ceux de ma mère. Je suis le fruit d'une nuit passionnée. Alors, c'est ça. Fait que mes parents n'ont jamais vraiment été ensemble. Ma mère a trippé vraiment sur mon père, puis elle l'a rencontré dans une taverne de Limoilou. Puis elle a quitté un paquet de cigarettes puis une grosse bière. Puis je suis née 9 mois plus tard. Wow! Ouais. Puis ils ont été ensemble quand même un peu quand je suis née. Parce que, tu sais, mon père avait quand même envie de s'investir un peu dans ce qu'il savait pas du tout comment faire, finalement, être père. Ma mère, elle était sur le party non-stop. Le seul moment de la vie où ma mère, elle était tranquille, c'est quand elle était enceinte, parce qu'elle avait vraiment une espèce d'hantise qui m'arrive quelque chose si elle consommait. Je suis vraiment contente qu'elle ait eu cette hantise-là. Elle a mangé beaucoup de fraises de l'île d'Orléans, ce que j'aurais fait moi aussi si j'avais été enceinte l'été. Puis sinon, c'est ça. Fait qu'elle ils ont été ensemble peut-être un an. Puis à un moment donné, mon père était tanné d'endurer un peu le fait qu'elle couraillait beaucoup. Puis lui aussi était sur le party pas mal. Fait qu'il se chevauchait dans qui s'occupe de moi parallèlement me faisant garder par peu n'importe qui. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, puis à partir de l'âge que j'ai eu 6 ans, ma mère s'est fait un chum. Puis lui, il a été avec ma mère pendant 6 ans, donc jusqu'à ce que j'ai 12 ans. Sauf que ce qui était pas nice, c'est qu'il la battait. Fait que dans le fond, là, à ce moment-là, ma mère a consommé encore juste des drogues douces, beaucoup d'alcool, sauf qu'il y avait de la violence à la maison. Fait qu'on a fait probablement toutes les maisons pour femmes victimes de violences de la ville de Québec puis de la rive sud de Québec. J'ai fait peut-être 13 écoles au primaire. C'est ça, il y a 6 années. C'est super. Puis c'est ça, j'ai fait à peu près 4 écoles en 2e année. Fait que j'ai vraiment l'impression que j'ai pas passé mon primaire. Wow! comment tu te sentais? Comment étais-tu nerveuse? Chaque fois que j'arrivais dans une nouvelle école... Dans la vie en général? Dans la vie en général, non, je suis pas quelqu'un... J'étais pas une petite fille anxieuse, j'étais pas une petite fille... Après plusieurs témoignages, parce que tu sais, il y a eu un documentaire sur ma vie à Canal Vie, tu sais, j'ai écrit un livre sur mon histoire, puis je fais des conférences sur mon parcours. C'est pour ça que tu sais, je suis quand même assez à l'aise d'en parler, puis j'ai pas de problème à en parler, au contraire. Tu sais, je retiens, puis j'ai entendu et confirmé que je suis juste quelqu'un d'heureux
à la base. Fait que, tu sais, moi, c'est drôle, il y a un de mes amis du primaire qui m'a écrit pas plus loin que 7 semaines pour me féliciter out of nowhere, qui était comme mon chum en deuxième année, genre mon premier French à tourner la langue, là, tu sais, quand c'est super malaisant, là, tu sais. Puis il me dit, ah, il dit, quand t'es arrivé dans la classe, il dit, je me rappelle encore de ton sourire, tu sais. Mais je vivais des affaires pas de bon sens, là. C'était ma 4e école. Mon beau-père était violent. Mon père était pas dans le décor vraiment. Ma mère était pétée. Fait que c'est fascinant de savoir que j'étais quand même heureuse dans la vie, tu sais. Puis je pense que, tu sais, le fait d'avoir tellement déménagé, d'avoir dû rencontrer des gens tellement souvent dans toutes sortes de contextes différents, dans les maisons, les nouvelles écoles et tout ça, ben je pense que ça a facilité chez moi ma façon de communiquer puis d'avoir cette envie-là aussi de communiquer. C'est comment un refuge de femmes victimes de violences conjugales? C'est rassurant. Ouais, c'est vraiment rassurant parce qu'il y a des cadres. Tu sais, moi, ma mère, là, j'avais une porte-patio dans ma chambre quand j'étais jeune puis j'avais 9 ans puis je sortais la nuit, là. Tu sais, puis je faisais pas grand-chose parce que j'étais loin d'être rebelle, mais tu sais, c'était plus comme dans le sens où il y avait aucune surveillance. Fait que quand on arrivait dans une maison pour femmes victimes de violence, qu'il y avait des règles, puis j'aimais ça. C'est drôle, hein, parce que des fois, on a l'impression que les enfants aiment pas l'encadrement, les règles, puis tout ça, puis tu sais, mais c'est juste comme quand ils nous défient, c'est parce que c'est leur façon de se donner, tu sais, d'avoir une opinion, de se forger en tant qu'humain. Mais moi, c'est ce qui me manquait le plus quand j'étais plus jeune. Fait que quand on arrivait en maison comme ça, bien, on avait des tâches, il y avait des règles, il y avait des couvre-feux. En tout cas, des couvre-feux à l'époque où il n'y en avait pas, genre dans la vraie vie. Mais c'est ça, fait que j'aimais vraiment ça, la rencontre avec les femmes, la chance de pouvoir parler à des professionnels aussi, ça m'a fait beaucoup de bien. Fait que j'aimais vraiment aimer ça, sauf qu'il arrivait des affaires capotées, genre le mari qui retrouve sa femme. Ben oui, parce que les maisons ne sont pas identifiées. Okay? Ben, en tout cas, dans mon temps, les maisons ne sont pas identifiées. La mère, que ça fonctionnait quand on se sauvait. Ma mère, elle appelait un taxi puis elle disait... C'est juste les chauffeurs de taxi qui le savaient à l'époque. Ils étaient où, les maisons pour femmes victimes de violences? Fait que là, ils nous laissaient à la porte. Nous autres, bon, on rentre, ça. On fait, je suis allée genre des dizaines de fois. Mais c'est que... Ben, il y a des ex-maris, là, violents, mais genre très violents, là, qui s'assurent d'avoir de l'information puis de trouver, tu sais. Fait que, tu sais, ça m'est arrivé une fois. On est dans la maison, puis moi, je suis en train d'écouter la télé avec une résidente comme nous, finalement. Ma mère, elle dormait, je pense. Puis moi, j'écoutais la télé dans la salle commune. Puis la femme, je me rappelle, elle était sourde et muette. Bon, en tout cas, malentendante, là. Bref, je veux pas dire le terme qu'il faut pas, mais tout ça pour dire qu'il fallait vraiment que je m'exprime en articulant très bien pour qu'elle me comprenne. C'est ça. Sur tes lèvres. Exactement. Puis je l'aimais full, puis on écoutait la télé sous-titrée ensemble. Puis tu sais, je l'aimais vraiment beaucoup. Puis un soir, son mari, il rentre dans la maison avec une carabine, OK? Mais moi, je suis toute seule dans le salon avec elle. Puis si quelqu'un, il dit, genre, « Nicole, ton mari est là », elle l'entend pas. Fait que moi, j'ai entendu « Geneviève, avertis Nicole que son mari est là, puis allez vous cacher. » Il y a comme... En tout cas, il y avait un genre de bunker dans la maison, caché derrière un armoire à livres, comme dans les films. Pour aller se cacher s'il y a un... C'était prévu s'il y a quelqu'un. Ben oui, wow. Ben oui, même s'il y a des intervenants, puis tout ça. Ben, tu sais, ce qui arrive, c'est que veux pas, il y a juste des intervenants femmes dans les maisons, parce que les femmes ont peur des hommes, souvent, quand on va là. Fait que, tu sais, il y a quand même le monsieur devait le savoir, là, qui avait peut-être plus de chances de franchir les 2-3 portes, tu sais. Puis finalement, il rentrait dans la maison, mais moi, j'étais cachée avec la fille derrière la porte secrète, puis je me rappelle comme si c'était hier, puis pour vrai, je devais avoir 6 ans. Puis je lui disais, et j'articulais très bien, « Ton mari est ici, il te cherche! » Puis là, tu sais, elle avait très peur, mais finalement, ils l'ont maîtrisé, il est sorti, il s'est rien passé. Mais c'est un événement qui m'a vraiment quand même marqué, mais je me suis quand même toujours sentie bien, puis en sécurité, parce que c'est arrivé une fois sur toutes les fois où je suis allée. Quand est-ce que tu as compris que c'était pas normal? Parce que ce que j'ai cru comprendre, la psychologie infantile, c'est que tu sais pas ce que tu vis est anormal. Exactement. Fait que, tu sais, moi, je vis dans un milieu comme ça, où est-ce qu'il y a de la violence, de la consommation de drogue, il y a de la pauvreté. On allait dans les banques alimentaires, évidemment. Ma mère était sur l'aide sociale. Elle travaillait un peu en dessous de la table, mais, tu sais, pas tellement fiable comme personne. Fait qu'elle perdait toujours ses jobs. Fait que, tu sais, on a déménagé plein de fois. Fait que, tu sais, c'est vraiment complètement tout croche. Je me rends compte tranquillement que c'est pas ça la vie quand je vais chez des amis, plus au secondaire, parce qu'au primaire, on vit toutes dans les moulous, là. On vit toutes dans les moulous des années 90. Fait qu'on vit pas mal toutes la même affaire, tu sais.
Donc, c'est ça, tu sais, si j'allais chez mes amis, ben, tu sais, c'était peut-être pas autant de la misère, de la violence puis de la consommation de drogue, mais tu sais, il y avait quelque chose qui marchait pas, là. Tu sais, de l'insalubrité, tu sais, des parents qui criaient fort. Tu sais, moi, ma mère était pas parfaite, mais elle m'a jamais crié dessus. Tu sais, fait qu'il y avait tout, on avait tous nos petits problèmes, tu sais, familiaux, mm-hmm. si on veut. Là, t'allais des fois chez un ami puis disais, bon, ma mère, elle crie pas. Souvent. Souvent, wow. Je me comparais positivement. J'étais comme, ah non, moi, j'étais pas bien. Tu sais, ma mère était pauvre, mais c'était propre chez nous. Moi, si j'allais chez quelqu'un chez qui c'était sale, j'aimais mieux être chez nous avec ma mère qui boit des grosses Coke 45, là, tu sais. Chacun son malheur, tu sais. Fait que c'est vraiment au secondaire, ouais, au secondaire que j'ai commencé à plus me rendre compte que la vie, elle pouvait être autrement. Tu sais, quand je voyais des frigidaires pleins, ça, c'est vraiment ça qui m'a marqué le plus, là. Comment tu te sens quand tu réalises, aïe, aïe, je suis peut-être, j'ai pas une bonne mère, si on peut dire, ou si... Ben, jamais je me suis dit ça. Okay. Jamais, jamais. C'est que, dans le fond, tu sais, je savais qu'elle était pas... disons normale. En fait, elle avait pas d'outils du tout dans son coffre. Puis pour vrai, jamais je me suis dit, ah, t'es vraiment une mère de merde, ou tu sais, même rebelle, même adolescente, tout ça. Non, j'étais plus en mode, t'es-tu correcte, maman? Je peux-tu faire quelque chose? T'sais? J'ai eu ma passe un peu baveuse, mais c'était plus avec ses chums tout croche qu'elle a fini par avoir après son chum violent, parce qu'elle a eu plusieurs amoureux, si on veut. C'est un peu sur eux que, tu sais, je lâchais ma crise d'adolescence. Mais pour ce qui est de maman, non. Puis ma mère, quand j'ai eu à peu près 13 ans, elle m'a envoyé vivre chez des amis à elle. Elle m'a comme droppé chez des amis à elle en se disant, je peux pas vraiment m'en occuper. Fait que à tous les premiers du mois, je vais donner de l'argent à cette femme-là pour qu'elle s'occupe de ma fille. Mais ma mère, elle a jamais donné d'argent, puis elle m'a laissé là 3 ans. Fait que, tu sais, d'à peu près 13 à 15,5, 16, tu sais. Fait que ça a été vraiment dur parce que je me demandais pourquoi, tu sais. Puis en même temps, ben je me sentais pas appréciée ni acceptée chez ces gens-là parce que j'étais un poids de plus, j'étais une bouche de plus à nourrir. Puis tu sais, ma mère était là tellement pas... peut-être pas des gens qui avaient des moyens aussi. Ben absolument pas, c'est ça. C'était des gens qui étaient autant dans la misère que nous autres, tu sais. Puis en fait, c'est copier-coller, là, tu sais. Fait que ça a été tough, mais je me suis mis à faire... tu sais, tout dans la maison. Je me suis mis à faire du lavage, du ménage. Tu sais, pour que ces gens-là, ils se disent, ben, tu sais, au moins, sa mère, elle donne pas d'argent, mais au moins, elle fait quelque chose, tu sais. Mais tu sais, jamais bébé reconnaissant non plus. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est plus chez mes amis du secondaire qui avaient des maisons à l'île d'Orléans, parce que je restais à Beauport dans ce temps-là. Puis là, c'est des. Tu sais, en tout cas, dans notre temps, bien, encore aujourd'hui, tu sais, c'est des belles maisons, c'est des gens qui ont plus de moyens. Puis j'avais beaucoup d'amis de mon école secondaire qui vivaient à l'île d'Orléans, puis qui avaient des maisons, puis des fermes. Puis moi, je capotais, tu sais, on vivait dans un 3,5 insalubre, tu sais. Fait que je tâchais de faire du ménage, là, à un moment donné. Je faisais ce que je pouvais avec ce qu'il y avait, là, tu sais. Fait que tout ça pour dire que, ouais, c'est vraiment ça. Puis une amie aussi qui vivait pas loin de l'école secondaire, là, elle avait un Mac, tu sais, les vieux Macintosh. Oui. Là, transparent. En couleur, oui. Oh my God, orange. Je m'en souviens comme si c'était hier, elle ouvrait son laptop. J'étais comme, un jour, je vais avoir un Mac. Puis à ce jour, j'ai comme. Je suis même pas capable de me départir de mon Mac blanc, là, mon premier que j'ai eu en 2008. T'sais, j'ai comme. J'ai réussi à m'acheter un Mac. Mais tout ça pour dire que, ouais, c'est comme ça que j'ai pu voir que la vie était autrement aussi ailleurs. T'sais. Comment t'es à l'école? Comment t'es? Je suis pas super bonne, mais c'est drôle parce que moi, mon souvenir, c'est que je suis poche, là. Tu sais, je suis vraiment poche. Mais mes profs m'ont dit, t'étais pas poche. C'est juste, tu sais pas si tu vas manger le soir, tu sais pas si tu vas voir ta mère. Ton père, il boit 8,18 litres par jour, il est complètement sous. C'était pas tant que je pouvais pas. C'est que j'étais trop tracassée par la vie en général, tu sais. Mais il semble que j'aurais pu être bonne, mais je pense pas que j'étais bonne. Mais j'étais bien à l'école. Ça, c'est sûr. C'était j'aimais vraiment ça, là, à l'école. Tu étais confortable? Ben oui, j'étais confortable. Mes amis étaient fins, puis j'ai été chanceuse, puisque j'étais dans une bonne gang. Surtout secondaire, tu sais. Tu peux facilement être dans mauvaise gang. Puis, tu sais, on va se le dire, là. Le secondaire, c'est pas mal là que ça se passe, là. Mm-hmm. Fait que j'ai été chanceuse. J'étais avec les gens, tu sais, en art plastique. Tu sais, j'étais vraiment avec des filles vraiment merveilleuses qui, aujourd'hui, me suivent. Puis, tu sais, c'est les premières à avoir franchi la porte de mon comptoir sous chez la maison à Québec. Genre, ils étaient là, tu sais. J'étais comme tellement contente, là. Tu sais, fait que, ouais, c'est, ils m'ont vraiment un peu fait voir la vie autrement. Mais eux autres, ils savaient même pas ce que je vivais à la maison. Fait que c'était étrange. Est-ce que tu le cachais? Non, je le disais juste pas, tu sais, une nuance, tu sais. Je m'en vantais pas, mais j'en parlais pas, mais je le cachais pas, tu sais. Mais mes amis venaient jamais chez nous, mais tu sais, ils m'ont jamais posé la question. Ça donnait de même, là, tu sais. C'était comme, oh, pas disponible, tu sais. Non, c'est moins.
Mais jamais j'ai fait comme... Je cachais pas, c'est ça. Ça se passait de même. Qu'est-ce qui se passe à 16 ans? Ta mère revient? Non, à 16 ans, je pars de la famille chez qui j'étais un peu droppée. Puis je vais cogner à la piquerie dans laquelle ma mère vivait, parce qu'elle l'avait vraiment échappé dans les 3 années, là, où est-ce qu'elle m'avait laissé là. Elle a commencé à consommer de la dilodide, qui est en fait un dérivé de morphine, que tu prends quand tu as eu genre un méga accident d'auto, genre, puis que t'es plus capable de marcher, tu sais. Puis j'ai cogné là, puis j'ai dit que j'aimais mieux être mal et avec elle qu'être mal avec des inconnus. Fait que j'ai vécu dans la piquerie pendant 2 mois. Comment tu sais qu'elle est là? Ah, ben je savais, tu sais, on s'était vus quelques fois, là. Je prenais l'autobus, puis là, des fois, j'allais chez eux, puis ça. Tu sais, je savais à peu près elle était où, tu sais, dans quelle ville, puis tout ça, là. Et elle était plus comme dans Limoilou. Moi, j'étais plus dans le quartier à Beauport. Puis c'est ça. Fait que j'ai vécu 2 mois, là, sur un matelas coquille par terre. 2 mois dans un crack house? Ouais. OK. Mais c'était quand même... C'était un crack house, tu sais... Pas aussi pire que dans les films trash, mais pas très, tu sais, pas du tout convenable. Mais je veux dire, tu sais, ma mère, elle me protège. C'est drôle ce que je veux dire. Puis je la bac encore, tu sais, puis elle est décédée depuis 10 ans. Mais je la bac encore, c'est capoté. Mais tu sais, mettons, j'étais dans le salon, puis là, il y a quelqu'un qui se shootait dans la cuisine. Mais tu sais, elle me disait, mon amour, reste dans le salon, s'il te plaît. Tu sais, elle me protégeait quand même de voir ça. Elle était pas comme, elle se piquait pas devant moi, ou tu sais. C'était à sa manière, elle essayait quand même de me protéger de voir des choses aussi trash que dans laquelle elle s'était mise. Comme les deux pieds dedans, tu sais. Et c'est comment vivre là? Je veux dire, faire ça de voir, ça doit être impossible. Ah, c'est vraiment pas cool. Les espèces de sandwich dans du papier d'aluminium pour aller à l'école, gérer des crises d'épilepsie, d'overdose de ma mère le matin avant d'aller à l'école, le garrot dans le bras, si tu as fait le bacon à terre dans la cuisine, puis après ça, je vais prendre l'autobus, je m'en vais à l'école. T'sais, après ça, comment ça se fait que t'avais pas des bonnes notes, Evrel? comment tu réagis quand tu vois ta mère peut-être mourir devant toi? Ben, tu lui mets une cuillère dans la bouche, pas qu'elle avale sa langue, là. Tu commences par ça, tu sais. Puis après ça, ben, je me suis comme fiée un peu à une crise d'épilepsie. Tu sais, je me suis dit, tu sais, je sais pas si c'était une overdose d'épilepsie, tu sais, convulsion de genre trop buzzé. Fait que, tu sais, j'ai fait ça. Son chum s'est levé, je me rappelle de toute cette scène-là, tu sais, comme elle l'oubliait de toute façon. Puis, en tout cas, je me rappelle qu'elle a fait c'est beau, je m'en occupe. Puis, j'étais allée à l'école, j'étais comme aïe, aïe. Attends, t'es partie pas en sachant si elle allait survivre. Non, mais il la maintenait, là, tu sais. Je savais que, tu sais, mais les séquelles, elle n'en a pas eu, mais en même temps, elle était tellement rendue maganée dans ce bout-là de la vie que, tu sais, les séquelles, c'était. Je savais même plus c'était quoi. En fait, je pense que j'ai jamais eu vraiment de conversation avec ma mère à jeun dans toute ma vie. Mm-hmm. C'était soit un lendemain de brosse, fait que tu sais, t'es jamais toi-même, mettons. Un lendemain de brosse, c'est être jeune. Éveil, le lendemain de consommation, tu sais, je veux dire, ou en manque de, tu sais. Moi, c'est pas rare, là, que je voyais ma mère, là, en vélo, là, 24 heures, tu sais, 12 mois par année, ma mère est en bicycle dans les Limoilou en train de chercher sa dope, là. Des fois, elle passe devant moi, fait comme si elle me connaissait pas, parce qu'elle a honte. Tu sais, il y a une série en ce moment, là, je voudrais qu'on m'efface. Ouais. Je l'écoute, puis je suis comme, qu'est-ce qu'il y a de pas normal? C'est fucked up, là. Tu sais, parce que c'est vraiment capoté. Puis tu sais, c'est vraiment une autre vie pour moi, là. Je suis plus là pantoute, tu sais. Mais de voir une mère prostituée avec sa fille dans un dep en train d'acheter des ramen parce que c'est ça qu'il y a là, puis d'acheter de la liqueur, puis du Fruitopia ben trop sucré, dégueulasse. Moi, je suis comme, ben oui. Tu sais, puis là, t'as comme, mettons, mes amis, on l'écoute, puis on se texte, puis c'est genre, hey, t'as-tu vu la maman? Puis je suis comme, je connais pas d'autre chose, c'est ça, mon âge, c'est ça, tu sais, c'est vraiment, mais c'est vraiment bon, là, mais c'est ça, c'est la vraie vie. Fait que, mais là, j'ai des histoires de même. T'sais, j'ai failli me faire échanger contre un deal de dope, comme le monsieur, il voulait moi contre de la drogue pour ma mère, tu sais. Je t'écoute, qu'est-ce qui s'est produit? Ben, je m'en rappelle, j'ai 16 ans, j'ai mon sac d'école, dernière journée d'école, c'est l'été, il fait beau. Je suis comme, ah, oh, l'école est finie! J'étais assise dans mon salon, ben, dans le salon de la piquerie. Puis, il y a un gars qui rentre, puis veston-cravate, un homme d'affaires. Il cogne, puis là, il arrive avec une bouteille de 70 dilos. Des dilodites, c'est 20 $ sur le marché noir. Avec l'inflation aujourd'hui, je ne sais plus combien, là, mais je te dirais qu'en 2002, c'était 20 $ Puis, il a shaké la bouteille. Ma mère est sortie comme, tu t'ouvres un Toys R Us pour un enfant de 4 ans. Là, puis, il dit, je t'adonne. Puis là, ma mère est comme, ben non. T'sais, en voulant dire, je suis pas une cave. Je sais que c'est pas gratuit. T'sais. Non, non, il est comme, Marie, voyons, prends ça. Là. Puis là, comme, c'est quoi le deal? T'sais, genre, pourquoi tu fais ça? T'sais, ma mère est junkie. T'sais, tu fais pas ça une junkie, pour vrai, t'sais. C'est chien si
elle sait qu'elle a pas l'argent, tu sais. Il dit, va prendre ta fille. Puis je suis là, là, comme, allô? Mais elle a vraiment... On peut sacrer? Non, oui, oui. C'est ça. Ben elle l'a crissé là, à la porte, comme, t'as jamais vu quelqu'un être insulté de même. Tu sais, ma mère était dopée, mais pas au point de faire cette transaction-là. Ce qui m'a quand même rassurée, mais à la fois effrayée. Fait que je me suis auto-déclarée à DPJ. Ça, c'est le moment où t'as fait... Ça peut plus continuer. Ben non, mais ça, c'est ça. Ça a pas de bon sens, là. Fait que je suis allée dans une famille d'accueil pendant 30 jours. C'est comment déclarer sa mère à DPJ? Ben je me suis déclarée moi. Pardon parce moi, que c'est même. Ça, ouais. Fait que j'ai appelé à DPJ. Puis là, je leur ai dit dans la situation dans laquelle je vivais, mais la fille au téléphone, je vais toujours m'en rappeler. Puis tu sais, pour vrai, on bâche souvent les intervenants. Puis tu sais, ils font tellement leur possible. Puis tu sais. Malheureusement, on bâche les intervenants, mais c'est plus le système. C'est la bureaucratie qu'il faudrait bâcher, pas les gens qui sont dans. Tu sais, en tout cas. C'est une très belle nuance. Vraiment. Très importante. Puis je me rappelle, tu sais, elle m'avait entendu m'exprimer, puis je me suis toujours bien exprimée quand même. Je sais pas comme. Tu sais, mais ma mère, elle parlait pas comme une. Tu sais, je voudrais pas. C'est pas péjoratif, mais tu sais, des fois, les caricatures de grosses BS. Elle s'exprimait pas comme mère, une alcoolique et une droguée, on pense. Non, tu pouvais avoir une conversation avec elle. Elle avait des choses à dire, tu sais. Fait que j'ai dû tenir de ça au moins une base. Fait que quand j'ai appelé la DPJ pour expliquer ma situation, tu sais, ils ont fait comme, mais t'as l'air à bien aller, tu sais. J'étais comme. Ben oui, mais j'aimerais ça aller mieux, mettons. Fait que, ils ont dit, ben on peut te placer 30 jours, ça s'appelle un placement temporaire. Fait que j'ai pris le 30 jours de vacances, mais après ça, ils m'ont retourné dans la piquerie parce que, tu sais, ils ont jugé que j'étais quand même assez résiliente. Mais il n'y avait pas tort, c'est ça qui est capoté. Mais il y avait tort. Ben, il y avait tort, il n'y avait pas tort. C'est pour te protéger que tu faisais ça. Oui, oui, mais il n'y avait pas assez de ressources. Encore aujourd'hui, il n'y en a jamais eu assez de ressources pour la DPJ. Fait que, tu sais, eux autres. Fait que tu n'en as jamais voulu à la DPJ. Ben non, je me suis sentie un peu oubliée par le système, mais avec le recul aujourd'hui, le temps, l'expérience, mon vécu, puis ce que ça a fait chez moi de devoir me débrouiller toute seule, on dirait que j'ai le goût de dire merci, mais je sais que ça a peut-être pas été le sort. Oui, puis tu souhaites ça à personne. Tu sais, une fille de 16 ans qui se fait... C'est ça. Dans une piquerie, tu diras jamais, moi, plus tard, je vais être entrepreneur. Ben tu non, exactement. C'est ce que je me dis, tu sais, si, mettons, elle, la madame, la fille à DPJ, elle avait 5 dossiers, tu sais, puis elle a fait comme, bon, il y a la fille qui est venue, mais elle a l'air bien. Il y a l'autre, elle est battue, elle est physiquement battue. Ce que tu décris, c'est ce qu'on veut pas vivre avec le COVID. C'est-à-dire que tu veux pas exactement choisir qui on survit et qui on survit pas, mais c'est ce qu'on vit en ce moment dans la DPJ. C'est ce que j'ai vécu, mais tu sais, c'est ça. Fait que, tourne à la piquerie. Comment tu te sens? Comment ben, tu je vis? Pars, là. Je me trouve un appart. En à 16 fait, ans? Oui. Comment tu fais ça? Ben, en fait, je me trouve pas vraiment un appart. Ce qui arrive, c'est que l'emballeur du dépanneur, à côté de chez ma mère, tu sais, espèce d'épicerie de quartier, là, tu sais, qu'on connaît tous, ça faisait vraiment longtemps que je trouvais que l'emballeur, il était beau, là. Mais je tripais dessus, mais tu sais, j'avais aucune confiance en moi. Puis j'étais comme, mais non, il est bien trop beau pour moi. Puis à un moment donné, c'est vraiment capoté parce que c'est un peu comme la scène que je viens de te décrire de je voudrais qu'on m'efface. J'étais à l'épicerie, puis ma mère répétait raide, elle est allée, elle achète des affaires qui n'ont pas de bon sens, beaucoup trop cher. Ben, c'est pas un dep, là, c'est comme un marché Richelieu, genre. Puis là, j'attends, tu sais, puis l'emballeur, qui est magnifique, il est vraiment gentil, il est à la caisse. Puis moi, je suis comme, j'attends là, tu sais. Puis là, il fait, ah, salut, comment ça va? T'sais, il m'avait vu quelques fois. Ah, j'ai dit, attends ma mère, tu sais. Ah, c'est cool. Mais là, il voit ma mère arriver. Mais il avait jamais fait le lien que la pétée, là, du quartier, c'était ma mère à moi. Lui, il a fait comme, what the fuck, je peux pas la laisser là. Je peux pas faire. Tu sais, on dirait, c'est vraiment étrange, là. C'est comme si le gars s'est dit, il faut que je la sauve. Fait qu'il m'a invité à souper, puis je suis plus jamais partie de chez eux. Il avait 9 ans de plus que moi. J'avais 16 ans, il avait 24 ans. OK. Il m'a sauvé la vie, là, pour vrai. Puis, tu sais, je sais que ça a l'air wack ou étrange ou peu importe, mais puis, tu sais, c'était pas incestueux, c'était pas déplacé. J'ai toujours été plus mature, plus développée. J'avais déjà eu un copain pendant 3 ans avant ça. Fait que, tu sais, j'avais déjà une vie privée, si on veut. Fait que, tu sais, j'étais épanouie tranquillement, mais sûrement. Mais, tu sais, tout ça pour dire que, tu sais, c'était pas pour les mauvaises raisons là, que la personne a fait ça. C'est juste qu'il a fait, oh my God, il l'avait vu, ma mère, dans toutes ses façons d'être, tu sais. Fait que j'étais allée chez lui, puis il m'a fait une quiche au jambon. Clairement, il m'a charmée. Je suis partie de chez eux. Puis j'ai pu lui dire merci il n'y a pas si longtemps, parce que il n'était pas sur les médias sociaux. Puis il était introuvable. Puis il m'a retrouvée sur. Ben, il m'a retrouvée. Moi, je ne suis pas dure à trouver, on va se dire. Mais en tout cas, puis j'ai pu lui dire merci de m'avoir sauvé la vie récemment.
Ouais. Wow. Fait que c'est ça. Puis j'ai commencé mon petit bout de chemin de vie à partir de cet appartement-là. Là, c'est là que j'ai lâché l'école, par exemple, parce que là, moi, j'étais comme, c'est pas vrai que tu vas payer ma part de loyer puis mes affaires. Moi, je tenais vraiment à payer mes choses puis à être indépendante parce que je voulais pas me faire vivre. Parce que, tu sais, quand je vivais chez les Poffins, là, je faisais tout parce que je pouvais pas travailler, j'avais pas l'âge. Puis j'imagine, dis-moi si je me trompe, mais avec ton père et ta mère, t'as vu c'est quoi la dépendance? Et tu te fais allergique à ça. Ah non, 100% de... Puis tout de suite, c'est une phobie là, de vie. Là. C'est quelque chose qui m'a suivi jusqu'à tout récemment, d'avoir peur d'être dépendante dans quoi que ce soit. Là, fait que c'est ça. Fait que j'ai toujours voulu être très indépendante à mon affaire organisée. Puis, tu sais, j'ai eu rapidement des cloches de... OK, toi... Tu sais, moi, souvent, là, c'était pas rare que j'arrivais de l'école puis il n'y avait plus d'électricité à la maison. Là, parce que Hydro nous avait coupé. Là. Puis dans le temps, Hydro coupait l'hiver. Maintenant, il ne coupe plus l'hiver, mais il coupait l'hiver avant. Je m'en rappelle en esti qu'il coupait l'hiver parce qu'on était branchés chez une rallonge, chez le voisin d'en bas pour partir le micro-ondes puis la bouilloire pour se laver à mitaine. Ça, c'est en 2001. Oh, t'imagines? Wow. Oui. Fait que, bref, moi, dans la vie, je me suis dit, jamais personne qui va me couper un service. Jamais. Puis si ça m'arrive, c'est parce que ça va être une espèce d'erreur puis je vais tellement comme ça va jamais arriver. Là, t'sais. Fait que, rapidement, j'ai eu les priorités aux bonnes places, tu sais, de pas consommer. J'ai bu ma première coupe de vin là, pendant la pandémie. Là. J'avais jamais bu d'alcool de ma vie. Ouais. OK, je saute là-dessus parce que ça m'intéresse. On va revenir à la chronologie, mais avec ton rapport aux drogues et à l'alcool, tu veux rien savoir. Ah non, mais j'ai une phobie. Mais je suis tombée dedans quand j'étais jeune. C'est sûr que moi, si je prends quelque chose, c'est comme expose en mille, tu sais. Tu sais, le pot, j'ai essayé pour la dernière fois, no joke. Je pense que j'avais 17 ans, j'ai fait un bad trip qui, dans ma tête, a duré 4 mois, là, tu sais. Je voyais les choses décalées, là, tu sais, au ralenti, là. Non, non, pour vrai, je peux juste pas, ça me rend pas confortable. L'alcool, j'avais très peur. Pour vrai, il y a 10 ans, j'aurais même pas mangé un jambon qui avait cuit dans la bière, même si je sais que c'était évaporé. Oui. Jusqu'à ce que... En fait, mon rapport avec le contrôle de moi-même... est arrivé il n'y a pas si longtemps, j'ai perdu quand même beaucoup de poids. Puis quand je me suis rendu compte que j'avais quand même une maîtrise bonne de ce que je voulais par rapport à mon corps, ben ça m'a permis d'être capable de boire une coupe de vin. Tu comprends? Je me suis dit, si ma bête noire, c'est manger, parce que tu sais, je suis là-dedans. Puis là, je réussis à me gérer pour faire attention à ce que à comment je me sens. Ben c'est sûr que je vais être capable de boire juste une coupe de vin sans aller à SAQ puis genre vouloir avoir des boîtes de 12 bouteilles, tu sais ça. Oui. Puis effectivement, je suis capable de juste boire une coupe de vin là. Let's go. Aimes-tu boire? Je suis vraiment contente. Mais t'es plus fière de toi que c'est bon de... Je suis fière de moi, mais je suis vraiment contente parce que toute ma vie, moi, je travaille dans l'alimentation puis dans tout ce qui est un peu fancy. T'sais, on associe rapidement sushi, tartare à vin. Ouais. T'sais, veux pas. Fait que toute ma vie, c'était comme, non, même pas une coupe de vin mangeant. Puis là, c'est comme, c'était rendu quasiment plus tabou de dire l'inverse. On dirait que c'était moins gênant de dire, je bois vraiment beaucoup que de faire, non, j'ai jamais bu d'alcool. Mais non, mais là, t'as jamais bu d'alcool, genre... comme jamais. Non, c'est ça. Ben voyons pourquoi. Là, c'était comme, c'est donc bien chiant de pas boire, finalement, tu sais. Je comprends ce que tu veux dire, parce que loin de toi, j'ai eu des problèmes avec l'alcool, puis je n'ai jamais voulu en parler quand j'arrêtais. Mon truc, c'est que j'allais dans les bars et je demandais au barmaid et au barman, fais-moi un 7-Up et que ça a l'air d'un gin tonic. That's it. Comme ça, j'avais personne mon truc. Personne. Mais par contre, si t'as un jus d'orange... T'es un fou. C'est un fou. Tu bois un jus d'orange, voyons donc. C'est ça, tu l'échappais hier. Mm-hmm. Non, je peux-tu juste pas boire? Puis souvent, c'est ça, tu sais. C'est, tu bois pas d'alcool, t'as eu des problèmes. T'es comme, non, c'est ça. Moi, dans mon cas, j'ai jamais été alcoolique. J'avais jamais ressenti un peu avant, il y a même pas un an. Wow. Ouais, les petits jus rouges, je suis comme, j'ai les jus rouges. Je peux pas prendre mon char. Mais okay, c'est vrai, t'as bu 5 gorgées. Je suis comme, je peux pas prendre mon char. Tu sais, fait que. Alors, t'es dans l'appartement du joli livreur. Oui. Ta vie ressemble à quoi? Tu lâches... C'est merveilleux. Pour vrai, dans le sens où c'est le plus beau que ce que j'avais jamais vécu. Dans le sens où j'ai un amoureux qui m'aime, on s'entend bien, on se chicane jamais. On a chacun nos petits jobines. Tu fais quoi? Je travaille dans une station-service, là. Je travaille dans un Shell. Let's go! J'ouvrais le matin. J'adorais ça. C'était vraiment une minute à pied, fait que c'était parfait. Ensuite de ça, j'ai travaillé aussi chez McDo. T'sais, j'ai fait plein de job-in d'une fille de 16-17 ans, là, veux pas. Mon chum travaillait à l'épicerie, puis il faisait des petits trucs pour le journal Voir à l'époque à Québec. Fait que c'est ça. C'était super chouette. Pour vrai, c'était sain. Lui,
il faisait un petit peu le party, là. Il buvait une coupe de bière, puis il y avait des invités des fois à la maison, tout ça. Mais, puis il fumait un peu, mais rien. Il m'a jamais, tu sais, ben là, voyons, on consomme, tu sais. Mm-hmm. Il m'a toujours respecté. Ça m'a vraiment aidé aussi. Puis il faisait comprendre. J'ai vu sa mère, ben, il veut, oui, pas, elle veut pas. Oui. Ben oui, puis lui, il avait fait portage parce qu'il l'avait échappé plus jeune. Fait que, tu sais, lui aussi, il essayait vraiment de se contrôler, tu sais. Fait que, tu sais, pour vrai, c'était super sain. Puis oui, on était dans un milieu pas riche, là, tu sais. Mais je pouvais m'acheter un petit sac de fromage salé par semaine. Moi, j'étais contente. Let's go! That's it. Puis on payait nos comptes. C'était le plus important pour moi. Fait que ta vie... As-tu de l'ambition à ce moment-là, mis à part? Non, aucune. Je sais pas c'est quoi, en fait. C'est ça qui est étrange, c'est que, tu sais, moi, il n'y a jamais personne qui m'a dit, hey, dans la vie, tu vas pouvoir réaliser tes rêves. Tu pourrais étudier, tu pourrais jamais. Surtout, le mot entrepreneur aurait jamais été dans la conversation, là. C'était pas quelque chose qui. Fait que, non, j'ai pas d'ambition, mais je travaille. Tu sais, moi, dans ma tête, je me dis, je travaille, je paye mes comptes. Puis je me dis, il faudrait peut-être que je finisse mon secondaire 5. Ça, je le savais, là, parce que, tu sais, surtout dans les années début 2000, il y avait encore énormément la mentalité de, avec un secondaire 5, au moins, tu peux travailler au gouvernement ou faire du ménage à un hôpital, puis, tu sais, tu vas avoir un bon salaire, un fonds de pension. Puis c'était encore très ça, comme mentalité. Très baby boomer, finalement, là. Fait que, tu sais, je me suis dit, ah, je pourrais finir mon secondaire 5 pour au moins avoir une espèce de passeport d'une sécurité financière. Puis on verra. Ce qui est brillant, ben oui. Ben oui, c'était une base. Tu sais, je me disais, ah, il faudrait au moins mon 5, là, tu sais. Fait que finalement, avec ce garçon-là, on s'est... Il m'a laissé, j'avais 18 ans, en me disant qu'il pourrait pas rendre ma vie meilleure puis qu'il me souhaitait mieux. Comment tu t'es sentie? Ben, j'avais de la peine parce que je l'aimais, mais en même temps, je comprenais ce qu'il voulait dire, tu sais. C'est comme si lui s'est dit, je pense que toute ma vie, je vais avoir des patterns, puis tout ça. Puis il dit, c'est comme s'il m'avait dit, dans un non-dit, tu vas faire des grandes choses, ou je pense que... T'as du potentiel, puis ouais, je suis un sabot de Denver. Ça fait bizarre à dire, mais on dirait que c'est ça dans le non-dit, puis dans les gestes. Fait que je suis allée, je me suis loué un petit loft, là, mais un petit loft, un et demi. En tout cas, tu dis un loft, tu sais, ça fait comme plus. Pourquoi pas? Ouais, c'est ça. Puis là, ben là, j'ai eu une année où j'allais veiller, là, avec mes amis, ça, c'était cool. Parce que ça me coûtait pas une scène, moi, aller veiller. Parce que je buvais pas d'alcool. C'était malade, là, j'allais au... C'est pas plate. Non, au contraire, t'es comme, tu regardes les autres, pis t'es comme, oh, mais vous êtes dégueulasse, les filles, là, genre, une fille saoule à 18 ans, c'est-tu l'être, pour vrai? Oui. Non, mais bien pété, là, oh, oui. Tu sais, fait qu'on est allé au DAG, au Palace, on a une belle année de juste, comme, mes plus beaux souvenirs de bar. T'es la meilleure chauffeur à désigner. Je suis la meilleure, mais j'ai pas eu mon permis avant 21, fait que j'étais pas pratique, là, mais bon. Bon, j'ai sauvé les pieds d'une ontarienne, je te dirais qu'aujourd'hui, si elle m'entend, il va falloir qu'elle me remercie un jour. Je t'écoute. Elle avait les pieds mauves, la petite. Mauve. Elle était au DAG, puis elle était allogée au Delta. Where was the Delta? Je m'en rappelle comme si c'était hier. Elle avait deux pieds dans le slotch. Voyons. Where is the Delta? Puis là, moi, je suis comme en bas de la côte, tabarnane. Puis là, elle tourne à droite, mais tu sais, je sais pas parler aucun mot en anglais. Je l'ai pris sur mes épaules. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Elle était complètement. Fait que moi, je faisais ça, là. J'étais comme une petite mère Teresa des flounes. Fait que, puis j'en étais une aussi, mais j'étais lucide, là, tu sais, moi, quand j'allais veiller. Bien sûr! C'était super le fun. J'adorais ça. Wow! Fait que ton secondaire 5? J'étais allée prendre mon secondaire 5 pas longtemps après, parce que dans le fond, j'ai eu mon année de célibat, puis de bar, puis tout ça, puis de... Est-ce que tu réussis à pogner des gars? Je suis sage. OK. Ouais, je suis pas... Tu sors, tu freines pas, tu bois pas, je ne vois pas l'intérêt. Je dansais! Ah, tu dansais! OK! C'est pour ça que t'es montant, Steph. Steph est pareil. Je dansais. Steph, moi, je suis genre à vraiment dropper ma sacoche puis faire comme c'est ma toune. Oh, je suis cette personne-là. Elle va clubber, pas avec moi, là, mais elle allait clubber et... Mais oui. Tu sais, quand tu achètes une bouteille, t'as des jus qui vont avec, elle vidait les jus. Mais ouais. Puis, parce qu'elle disait, ouais, mais je danse tellement. Puis là, c'est disait, ouais, mon verre, tu sais. Ah, moi, quand j'ai arrêté d'aller veiller, j'ai pogné du livre, là. Tu sais, je veux dire, c'était mon sport, là, tu sais. Mais, fait que, tu sais, ça. Fait que, j'ai vraiment aimé cette année-là. Puis ensuite, ben, j'ai rencontré un garçon qui, pas dans un bar, dans le contexte de mon travail, j'étais caissière dans un dépanneur. Pardonne-moi, comment tu rencontres un gars quand t'es caissière dans un dépanneur? Mais voyons, là, c'est des clients réguliers. Puis là, il venait toujours chercher sa petite pizza. Je m'en rappelle encore. Puis là, j'étais comme, à un moment donné, il va me parler, il va m'inviter. Tu sais, ben, au lieu de me dire, genre, juste comme, tu sais, j'ai dit 7 et 32, là, tu sais, mettons. Puis à un moment donné, il m'a parlé pour vrai. Puis en fait, c'est parce que j'ai lâché cette job-là quelques mois, puis je suis revenue. Puis quand je suis revenue, lui, il travaillait encore au Instant Content en face. Puis là, il a traversé, puis il dit, hein, t'es revenue? Puis j'étais comme, ben oui, tu sais. Puis là, il dit, je me rappelle comme si c'était hier aussi, il me dit, t'aimes-tu la pizza puis le vin? J'ai dit, ben, je bois pas de vin, mais j'adore la pizza. Puis il m'a daté.
Puis j'ai été 5 ans avec lui. Puis sa famille puis lui ont changé ma vie. Je t'écoute. C'est là que ça a commencé. En fait, lui, il venait d'une grosse famille, 4 enfants, 2 parents toujours ensemble, une belle grosse maison au cèdre, une belle maison canadienne. Tu sais, genre, ça sent le feu de bois, là. Puis il y a des doudous sur tous les divans, là. Tu sais, c'est la maison la plus réconfortante de l'univers. Fait que moi, je deviens sa copine. Donc, à peu près 2-3 mois après qu'on se voit, pendant qu'on se voit, il m'invite dans sa famille au cèdre. Fait que là, on part de Québec, puis on va au cèdre, tu sais. Puis là, j'arrive là, puis... Je suis comme, wow, c'est... Non, ça existe. Oui, mais c'était pas non plus, c'était pas superficiel, là. C'est pas genre tout, un palace. C'est une maison chaleureuse, ça brasse, il y a 4 enfants. C'est accueillant. C'est accueillant, ça sent la bouffe. Tu sais, t'es comme, c'est le rêve, tu sais. Tu peux pas manger tant que la personne qui a cuisiné, c'est-à-dire Hélène, est pas assise à table. Il y a des règles. Puis, tu sais, je te disais que j'ai toujours aimé quand même les cadres parce que j'en ai jamais eu. Puis à un moment donné, c'est elle. C'est sa mère. C'est sa mère qui m'a regardée dans le blanc des yeux puis qui m'a dit, tu sais que tu pourrais finir ton secondaire 5? Puis là, je suis comme... Est-ce que tu vivais là? Non, je vivais pas là. On allait voir souvent en visite, tu sais. Okay. Puis là, je suis comme, non, je pourrais pas, Hélène, tu sais. J'avais 19 ans. Je pourrais pas, Hélène, là. Puis elle est comme, pourquoi? Elle dit, mais je sais que t'es capable. Puis c'était la première fois de ma vie que quelqu'un me disait que j'étais capable de faire quelque chose. C'est la première fois de ma vie que quelqu'un m'a regardé dans le blanc des yeux, puis il m'a dit, moi, je sais que t'es capable. Puis là, t'es comme, hein, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un qui sait que je suis capable de faire quelque chose? Parce que, tu sais, moi, ma famille, il aurait pas mis un 2 sur moi, là. Il y a déjà une maison qui me dit, je bide entre le Lady Marianne puis le Carole où tu vas danser, fille, là, tu sais. Mon avenir était pas du tout prometteur, tu sais. Fait que quand elle me dit, je sais que t'es capable, c'est comme si elle venait de me mettre de la confiance sur mes épaules, puis il y a plus rien qui m'a arrêté. Après ça, elle m'a dit, tu pourrais faire... J'étais allée finir mon secondaire 5. Après ça, ils m'ont fait un petit bal. Je veux savoir ça, s'il te plaît. Ben, tu sais, ils m'ont fait mon repas préféré. C'est quoi? Puis, à l'époque, je me rappelle qu'ils m'avaient fait un dessert, un tiramisu. Je pense que j'avais dû, genre, demander du poulet frit, quelque chose de même, là, tu sais. Puis, toute la famille, frères et sœurs, là, ils m'avaient fait un bon repas. Ils m'avaient même fait une photo pour que j'aie une photo. Tu sais, pour vrai... Je me rappelle encore comment je t'ai habillée, tu sais, tellement que ça a été un moment magique pour moi. Après ça, Hélène, même affaire, a dit, là, faudrait que tu prennes ton permis de conduire. Puis là, je t'ai dit, t'es-tu malade? Moi, j'avais jamais vu conduire ma mère ni mon père, parce que mon père, c'est un gars de char, mais il avait perdu son permis parce qu'il buvait trop. J'étais comme, mais non, je peux pas conduire, c'est sûr, je peux pas, tu sais. Puis elle m'a dit, c'est sûr que tu vas être capable. Je sais que t'es capable. Là, mais elle sait pas qu'à chaque fois qu'elle me dit ça, c'est comme un t'es pas game, tu sais. Fait que là, il m'achète les livres, là, puis là, je vais prendre mon permis. J'ai mon permis. J'ai appris à. J'ai eu mon permis, puis ma passion dans la vie, c'est conduire mon auto, là, encore aujourd'hui, là. T'sais, tu me fais choisir entre un gros événement de roulage de sushi puis conduire mon char en ce moment. Hé, chapeur! Je sais pas! Mais, tu sais, c'est vraiment une passion pour moi, tu sais. Fait que, ils m'ont donné des étiquettes pour être indépendante puis être comme... Pas un humain normal, mais ce que je veux dire, c'est tu sais d'avoir une indépendance puis une confiance. L'autonomie, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un. C'est ça, mais j'avais de l'autonomie parce que je veux pas, j'ai un ami tout croche, fallait que je me débrouille, tout ça, j'étais débrouillard, oui, mais... T'es débrouillard, mais autonome, autonome, c'est de pouvoir conduire. Autonome, c'est avoir la confiance de réaliser des trucs, c'est ça, l'autonomie. Exactement, tu sais, quand j'ai mon secondaire 5, ça m'a boosté, je me suis dit, je suis capable. Ouais, si je peux faire ça, je peux faire telle autre chose. Ça a été le début de quelque chose, tu sais, des fois, quand on voit des jeunes un peu de croche, on est comme, fais juste quelque chose que t'aimes, puis tu vas être bon dedans, puis ça va t'aider à faire autre chose. Puis peut-être à des moments, peut-être faire des choses que t'aimes moins, mais à cause que tu sais que t'es capable au moins de faire d'autres choses, puis d'être bon dans d'autres choses, ça va t'aider, tu sais. Moi, ça m'a sauvé la vie, là, vraiment, tu sais. Alors, t'as ton permis, t'as 21 ans, t'as ton secondaire 5, c'est quoi la prochaine étape? Je travaille dans un DEP, puis un client qui rentre. Je travaille dans une sandwicherie. J'ai vraiment fait probablement tous les petits commerces de Limoilou, mais c'était pas parce que je partais ou... C'est juste parce que je me faisais souvent voler par des clients qui étaient comme, moi, j'ai une sandwicherie, faudrait que tu viennes travailler pour moi. Tu sais, tout le monde voulait que je travaille pour eux. Quand t'as entendu voler, je pensais au DEP. Non. Ils voulaient que j'aille travailler pour eux parce qu'ils aimaient mon service à la clientèle. Fait qu'à un moment donné, je travaille dans une sandwicherie, là, chez des sous-marins, puis un client, encore une fois, là, qui est comme, je pourrais-tu te rencontrer? Je me dis, j'aimerais vraiment ça que tu travailles pour moi. J'ouvre un restaurant pas loin d'ici. Puis là, je suis comme, ah ouais, pour faire quoi, tu sais? Puis là, il me dit, ça serait pour faire des sushis. Fait que
Non, je suis plus jeune que ça. J'ai peut-être, c'est parallèlement là, à mon permis puis tout ça, j'ai 18 ans, là, c'est au début, 18-19 ans, c'était au début de ma relation avec Marc-André. Fait que là, je suis comme, OK. Mais moi, tout de suite, quand j'entends le mot sushi, j'entends pas genre faire de l'argent, j'attends pas. Tu sais, je me dis, ben absolument pas faire de l'argent, mais je veux dire, je pense pas au poste plutôt qu'à me dire, si j'apprends à en faire, je vais pouvoir en manger. J'en avais jamais mangé. Mais ça, c'est un... La plupart des entrepreneurs vont te le dire. Si tu veux faire de l'argent, le but, c'est pas faire de l'argent, c'est trouver une manière, une passion. Qui l'argent? L'argent, c'est comme la deuxième, troisième, quatrième étape. Ah, c'est le dernier de mes soucis. Moi, pour vrai, là, encore à ce jour, c'est pas là pantoute, là, parce que j'ai des responsabilités, j'ai des engagements avant tout ça. Là, on est ailleurs, mais je veux dire, à cette époque-là, moi, en autant que je peux payer mon loyer, là, il y a vraiment pas de problème, là, tu sais. Fait que, ben, je rentre dans le resto de sushi pour ma formation. Puis, ben mettre du riz chaud sur ma première feuille d'algue a changé ma vie. OK. Comment est-ce que... Mais ça a été comme un coup de pelle d'en face de... Il n'y a rien de plus extraordinaire que rouler des sushis. C'est vraiment cool! Mais c'est parce que moi, là, j'ai toujours travaillé un peu dans l'alimentation. Tu sais, soit DEP, McDo, c'est pas de l'alimentation, ça, mais c'est faux, de la bouffe. Mais oui, non, non, mais pour ce qui est... Ça nourrit le monde, ça nourrit des milliards de gens par an. Mais oui, puis pour ce qui est du truc de, tu sais, travail d'équipe, tout ça, tu sais. Fait que j'ai toujours été un peu dans la bouffe, si on veut, de plein de sortes de manières différentes. Mais là, imagine-moi, là, petite fille de Limoilou, pas une crise de scène, qui arrondit fin de mois du mieux qu'elle peut, qui... Bon, mais qui s'en sort, là. Je paye mes affaires, puis je me fais pas couper aucun service. Moi, pour moi, ma vie est réussie, là. Me fais pas couper l'hydro ni Vidéotron, ma vie est réussie. Être riche, c'est l'hydro... Me coupe pas. Ah ouais, 100%. C'est absolument pas des vêtements, du matériel, quoi que ce soit. Vraiment pas. Mon but, c'est je suis autonome, je paye mes choses. Merci, bonsoir. Je dois rien à personne. Et là, je suis derrière le comptoir en train de mettre mon riz chaud sur ma feuille d'algue. Ça sent divinement bon. Je m'en remettrai jamais, encore à ce jour. Et là, devant moi, il y a une table à Subway, là, tu sais, compartimentée comme au Subway. Mais là, c'est tous des produits pour faire des sushis. Fait qu'il y a des concombres, des avocats, de la mangue. Ah, il y a des canneberges. Ah, il y a de la main. Puis là, je suis comme... Puis là, je regarde le menu qu'on a ici, puis je suis comme... Il me semble que je ferais d'autres affaires, tu sais. Puis c'est vraiment étrange parce que moi, j'ai jamais beaucoup cuisiné... Avant ça, parce que mon copain de l'époque aimait rien. Ni fruits, ni légumes. C'était steak, viande, patate, tu sais. Fait que là, c'est comme, oh my God, là, je peux vraiment faire quelque chose pour d'autres gens, tu sais. Fait que là, je me mets à inventer des spécialités, comme on dit, là. Mais tu sais, il y a 20, je sais pas, là, je sais plus. Il y a quasiment 20 ans, là, tu sais. Fait que là, je me mets à inventer des affaires, puis là, je me rends compte que je goûte dans ma tête. Puis là, je suis comme... Puis là, je me rappelle, tu sais, là, mes collègues, ils mangeaient. Puis t'es comme, hein? Comment ça? Comment ça, c'est bon, tu sais? Puis je sais pas. Je sais vraiment pas pourquoi. Je l'ai goûté dans ma tête. Puis là, mais voyons donc, ça... Je me suis rendu compte que c'était ça, moi. Moi, j'invente. Mm-hmm. Moi, je goûte dans ma tête. Moi, je suis une gourmande. Je suis... Comme un athlète que tu mets... tu le fais jouer au basketball, puis il sait. Exact. Exactement. Fait que... Puis je me suis souvenue plus jeune, j'avais à peu près 6-7 ans, on restait dans un appart tout croche. Maman, elle avait reçu de la bouffe de sous-sol d'église, un panier de Noël. Puis elle cuisinait là, avec toujours les mêmes affaires parce qu'on nous donnait toujours les mêmes choses, c'est le canage, puis ci, puis ça. Puis je me rappelle, un moment donné, j'avais embarqué sur le comptoir, mes deux genoux sur le comptoir, maman cuisinait de la saucisse là, avec une sauce aux tomates, puis ça, puis j'étais comme... Puis je la voyais mettre des épices, tu sais. Puis j'étais comme Ratatouille, le film Ratatouille, tu sais, il met des épices, tout, tout, tout. Là, je suis comme, maman, comment tu fais pour savoir que ça va être bon? Puis je me rappelle qu'elle m'avait dit, je le goûte dans ma tête. Et là, quelques années plus tard, moi, dans le restaurant de sushi, à me dire, hey, la mangue, les canneberges, maillot pissé, saumon frais, ça se peut pas que ça soit pas bon. Avocat, un petit croustillant. Tu sais, genre, bien basique, mais t'sais, quand même plus funky qu'un Boston ou un Californien, tu sais. Fait que ma vie est devenue un long sushi sans fin depuis ce temps. J'ai jamais arrêté de faire du manger. Ça a changé, ça m'a sauvé la vie. Les sushis m'ont sauvé la vie. Oui, des gens qui gravitaient autour de moi, des bonnes références, des visuels de famille, tout ça. Mais... C'est star, là. Si j'avais jamais eu ce boss-là qui me dit « Hey, j'aimerais ça t'engager. » Puis ce moment magique-là de coup de pelle, de lumière au bout du tunnel, ou peu importe, de mettre du riz chaud sur ma première feuille d'algue. T'imagines? Ma vie, tu sais, il y en a des fois qui me disent « Ah, oh, Geneviève, tu sais, toutes les affaires que t'aimes faire que travailler, tu sais. »
mettons, là, en date d'aujourd'hui. Puis là, je suis comme, je sais pas, tu sais. Puis il y a quelqu'un récemment qui m'a dit, Geneviève, pour un entrepreneur, déjà, c'est difficile de s'identifier à d'autres choses que son entreprise, mais toi, ça t'a sauvé la vie. Tu sais, moi, là, les sushis, imagine plein de petits maquis, là. Genre, fait que c'est difficile pour moi de me dissocier non seulement de mon entreprise, qui est difficile pour n'importe qui est en affaires, mais moi, c'est tout ce que je connais, parce que c'est tout ce que j'ai jamais aimé autant comme passion, tu sais. C'est ma passion. C'est ça. Pour vrai, encore. Fait que, en plus, c'est une passion, tu peux t'exprimer ou tu peux créer. La décliner de mille et une façons, ce que j'aurais jamais pensé au début. Là. Moi, au début, ça a juste fait, je vais travailler ici toujours. Puis c'était correct. Là. C'est juste après que j'ai fait, hey, je pourrais aller chez les gens. Ça serait malade. T'sais. Fait que j'allais chez mes amis. Ah, ça... C'est comme ça que j'ai parti sushi à la maison. Tu sautes des étapes, mais ça m'intéresse. Non, mais, je veux m'y rendre. On est rendu à... Là, j'ai genre 19 ans. Je travaille au Sushi Fly. T'es un coin. Ça s'appelle Sushi Fly. C'est Sushi Fly. J'avais t'as même... pas volé le nom? Non, je suis pas de même. Pas de... Non, mais là, ce que je veux dire, c'est que Sushi Fly, c'est tout ouais, un nom. C'est ça. Fait que Dupont-Charest, à Québec. J'adore ça. Là, je m'inscris au collège de radio-télé, au CRTQ. Let's go. Mon copain de l'époque encore, maudite gang, ils ont tellement vu en moi ce que moi je savais pas, mais ça prenait ça. Parce que moi, j'avais toujours mon petit BS dans ma tête, tu sais, qui me disait, t'es pas capable de faire ça, tu sais. Ou ton oncle, n'est pas ton mais ta famille niaiseuse qui dit ben, des choses. Ben, des gens, là, tu sais, j'ai beaucoup de gens qui pensaient pas, là, tu sais. Fait que je me suis dit, ah, je vais m'inscrire au CRTQ. Ben, en fait, la famille de Marc-André, ma famille spirituelle ou mes anges ou peu importe, m'ont dit, hey, tu serais bonne là-dedans comme. Comme disent les queer, ta chosen family. Voilà. That's it. Puis là, il me dit, tu serais bonne là-dedans. Là, je suis comme, OK, parfait. Il y avait une pub à télé, c'est drôle, je me rappelle, c'est Kim Ross puis PY qui animait, qui faisait la pub à l'époque du CRTQ. Inscris-toi! Tu sais, le temps, le Love Story, puis tout ça. Fait que je me suis inscrite au CRTQ. Puis, fait que c'est comme parallèlement, je faisais des sushis. Puis parallèlement, j'apprenais à m'exprimer en faisant des techniques d'entrevue, de l'animation, des émissions de radio. J'ai tellement aimé ça. Là. J'étais tout le temps là. Puis la fin de semaine, puis les soirs, je faisais des sushis. Fait que j'étudiais, j'apprenais, dans le fond, mes deux passions à ce moment-là, en 2007, 2008, 2009. Ouais. Puis j'ai travaillé au Yuzu. À l'époque, Yuzu, tu sais, les chaînes qu'on connaît, c'était un restaurant chic à Québec. Non, mais c'était The Place, là. Ça, Métropolitain, tu sais, il y avait quelques gros noms. Mettons, il y avait un top 5 à Québec, mais tu voulais aller au Yuzu, là. C'était malade, puis je travaillais là. J'étais rouleuse de sushi parce que j'étais rapide. J'étais tellement fière, là. Ah, j'étais tellement fière, là. J'étais juste au roulage. Moi, je roulais des maquis. J'aimais tellement ça. Puis j'étudiais au CRTQ. Commençons avec ta passion des médias. Ça te donne-tu quelque chose? Ton étudiant là-bas? Full. Je t'écoute. Ben, ça donne quelque chose. Ben, d'abord, j'excellais. Première fois que j'avais des bonnes notes dans quoi que ce soit à l'école, parce que, tu sais, comme on se souvient, comme je disais, j'étais pas super bonne à l'école, tout ça. C'est pas super facile quand c'est pas le facile. Courant mais, lâche. C'est ça, mais là, j'avais vraiment un contexte dans lequel je pouvais m'investir, tu sais, puis des gens qui m'appuyaient puis qui croyaient en moi. Puis t'as un talent pour des gens oui, au départ. Oui, puis tu sais, mon copain m'a beaucoup aidé dans ce temps-là. Il savait que je pouvais moins travailler. Tu sais, tout le monde me backait, là. Tu sais, j'étais vraiment chanceuse. Fait que j'aime ça, j'ai des bonnes notes. Mais je comprenais pas pourquoi moi, je réussirais là-dedans. Parce qu'il y a encore ma petite voix. Tu sais, j'ai toujours, tu sais, ange démon, moi, c'est ange BS, moi, te le dire, là. Mais tu sais. Puis à un moment donné, je cogne à la porte de mon directeur d'école, feu Christian Lavoie, qui est décédé il y a quelques années. Je cogne à sa porte, puis je dis, Christian, faut que je te parle. Tu sais, on était super proches, c'est une petite cohorte, c'est une cohorte à la fois. C'est vraiment super, tu sais, très proche comme, école, finalement. Là, Christian m'ouvre la porte, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, pourquoi moi, je réussirais, tu sais? Genre, il y a vraiment des filles talentueuses dans notre classe, là. Vraiment, là. On veut tout faire le showbiz puis la météo, là, tu sais. On veut tout faire la même affaire. Je veux dire, pourquoi moi, tu sais? Puis il m'a dit, Geneviève, j'ai un conseil à te donner, je te jure. Puis encore une fois, ça a été vraiment marquant, puis je m'en rappelle. Il m'a dit, reste toi-même. C'est tout. Là, je suis comme, ben voyons, c'est pas assez. Il dit, je te le dis, ça va être assez. Fait que je suis partie avec ça dans mon sac à dos, puis je me suis dit, je vais essayer de toujours rester moi-même. Avec mes défauts, mes qualités, mes up et down, mais tu sais, comme n'importe quel humain, je vais rester moi-même. J'aime pas dire le mot authentique, ça fait âge tellement authentique, mais tu sais, je veux juste. Non, elle est intègre. Elle est intègre par rapport juste à ses valeurs. D'où je viens, mes valeurs, où je veux aller, mon parcours. Gars,
Il dit, fais juste rester toi-même. Je fais, OK, c'est bon. Bon call, tu sais. C'est simple, en fait. Tu sais, ceux qui ont des rôles, des personnages, des... Ça doit pas toujours être évident, tu sais, au quotidien, tu sais, de mettre ce chapeau-là, ce personnage-là, tu sais. Fait que je me suis dit, ah, ben, regarde, moi, y aller avec moi, ça va être ça. Mm-hmm. Fait que finalement, il y avait, à la fin de la cohorte, c'est-à-dire que c'est pas long, là, c'est même pas une année, là. Ce qui est parfait pour ça. C'est genre 9-10 mois, là, mais intense. À chaque fois qu'il y avait des postes, là, les postes s'ouvrant en radio pour des jeunes comme nous, puis là, tu sais, bon, là, je me rappelle Alain, l'autre directeur, il s'assoit sur le bureau en avant, puis il fait, bon, j'ai un poste. Il commence par toutes les qualités du poste. Tu sais, 40 heures semaine, 16 $ de l'heure, je m'excuse, mais en 2009, tu voulais on ça. On le prend. On le prend. Animateur, animatrice morning, direction musicale un peu, publicité. Ben, là, genre, t'es comme... Mais là, la question, c'est où? Parce qu'en radio, tu sais, tu peux être à Port-Cartier, en tabarnouche, là. Tu sais, tu peux être à Gaspé, tu peux être à... Bon. Mais c'est correct, tu peux être à Sept-Îles. Et là, il dit Penetang Wishing. Là, je suis comme... Puis, tu sais, il y avait même pas genre de... Il y avait pas Facebook, là. Il y avait Google, là, mm-hmm. Mais je veux dire, c'était... Il n'y avait rien. Tu sais, il y avait Facebook depuis un an. C'est nouveau, tout ça. Je parle de ça. Je peux pas croire. Gars, lui, il n'y avait pas Facebook. C'est sûr, là, lui, il comprend est né, pas. Sur lui, Facebook. Sa mère a accouché dans un live. C'est ça, exactement. T'sais. Fait, mais bref, fait que moi, je vois ça. Je Google Penetanguishene. Là, je fais comment? La baie géorgienne, 1h30 au nord de Toronto, communauté francophone. C'est là. L'Ontario francophone. L'Ontario francophone. C'est là que Damien Robitaille vient. Hey! La fontaine, le village à côté. Là, je suis comme... Moi, j'aime mon francophone parce qu'il y a plein de Levaques. C'est vrai? Oui. Bon. Et là, mon petit BS fait... C'est sûr que tu vas l'avoir. Personne ne va vouloir aller là. Avec moi! C'est un bon BS! Là, je suis comme... Hey, je postule. Il arrivera ce qui arrivera, je postule. Je me suis dit, personne ne va postuler à 10 heures de char de Québec. Tout le monde ne veut pas être loin de leur mère de même. Tu sais, moi, ma mère est proche. Elle dit, même si elle est proche, elle est loin. Et c'est ça, je suis comme... Fait que je postule. Évidemment, j'ai la job, tu sais. Mais, tu sais, je me rappelle mon chum de l'époque, il est comme, hey, j'ai hâte que tu finisses l'école, mon amour. Tu sais, on va se rapprocher. C'est lui qui me fout l'encourager, sa famille. Tu sais, je suis comme, ouais, c'est à cause que je déménagerai à Penetanguishene. Il m'a fait un lift, pauvre petit loup. Il devait être en peine d'amour, retourner à la maison. 10 heures de char aller-retour, 20 heures de char. Il est venu me reconduire. T'as le temps d'oublier. T'as le temps de... T'as peine d'amour, tu t'as fait en char. T'as fait ce tour-là. Son deuil en revenant. Il a eu le temps de faire son deuil en revenant. Mais ouais, fait que je suis allée faire de la radio francophone à Penetanguishene. C'est comment? J'ai adoré ça. C'était dans un demi-sous-sol, puis c'était conjoint avec une garderie. Fait que c'était super tranquille en studio. Ça cognait les jouets. Sacrifice! Ouais, c'était super. Il l'a pas dit, ça? Il y a bien des choses qu'ils ont pas dit, mais pour vrai, c'était pas non plus un attrape, là. C'était super le fun. T'es à 10 minutes de la baie géorgienne, qui est une espèce de baie d'eau turquoise méconnue. Il fait toujours beau là-bas parce qu'il y a pas loin une ville qui s'appelle Barrie, qui ont une base militaire là-bas aérienne. Donc, c'est prouvé qu'il y a un système météorologique. Vraiment toujours unique. Fait toujours beau, ouais. Wow. C'est comme parce que ben pour que la base puisse faire leur test de parachute tout ça, faut qu'il fasse beau, puis il y a vraiment, en tout cas, c'est vraiment magnifique, c'est le fun, je me fais des amis, j'adore ça. Qu'est-ce que les sushis sont encore dans ta vie? 100% parce ouais, que là, ben tu sais, c'est pas long que ben là, c'était quoi ton travail avant? Puis là, tu dis, ben j'ai travaillé dans les sushis, je me suis partie une petite entreprise, je vais chez les gens aussi, je suis capable de m'organiser pour aller chez vous en faire, puis mes collègues. Parce que je le faisais aussi à Québec, oui, oui. Ah, ton coup. Oui, j'avais commencé ça en travaillant au Sushi Fly, puis j'avais dit à mon boss, ça pourrait être cool, tu sais, un service à domicile, puis il avait vraiment pas cru en ça. J'étais comme, regarde. C'est vrai, parce que c'est. Ça existait pas pantoute. Je veux pas être plate. C'est genre de genre mais peut-être de qu'il n'y avait juste pas le temps. Mais c'est le genre de truc que... Ce qui est fou avec les entrepreneurs, c'est qu'il n'y a rien d'impossible. Ben moi, en plus, j'avais rien. Donc, j'avais rien à perdre, tu sais. Puis aussi, quand un truc existe, fait pourquoi ça n'existait pas? Il me semble que c'est la meilleure veillée. Hey, il y a quelqu'un qui va venir. Imagine. Elle fait des sushis, on saoule, on n'a pas à prendre le char, on vire fou, elle fait des sushis, c'est parfait. Ah, en oui. Plus, elle est drôle, elle est fun. C'est ça, en plus, moi, j'aime entertainer. J'aime, tu sais, genre animé, oui. J'aime. Fait que, tu sais,
Moi, c'était le meilleur des deux mondes. Je suis comme, je fais des sushis, j'invente mes créations parce qu'il n'y a pas une boss qui me dit quoi faire. Puis en plus, je donne un show, puis je suis contente que je suis le centre d'attention parce qu'elle veut pas, tu sais. Je suis comme, oh my, là, les gens sont, oh, wow, c'est vraiment beau, puis tout ça, puis, oh, wow. Puis tu sais, tout le monde, même à ce jour, quand tu regardes un chef, même moi, quand je vais chez Tri, mettons, je m'installe au bar, là, je veux le voir. Ouais. Moi, peu importe où il y a un bar à sushi, tu sais, je veux voir la personne faire. Je trouve ça impressionnant, beau, c'est genre du ballet jazz pour moi, tu sais. Fac, je faisais ça à Québec. Puis là, ben, à peine étant gauchée, mes amis l'ont su. Mais ce qui est vraiment capoté, c'est que, tu sais, moi, je suis connue pour mes sushis créatifs non traditionnels. Gourmands, québécois, peu importe. Ils sont délicieux, je tiens à préciser. Merci. Mais c'est vraiment pas... C'était vraiment pas prémédité. Tu sais, moi, il y a rien que je me suis dit... Tu sais, il y a pas un moment où j'ai fait, OK, bon, là, pour me démarquer, il va falloir que je fasse vraiment des trucs genre un maquis poutine. Tu sais, jamais eu ça, tu sais. Mais c'est que quand je vivais à Penetanguishene, je pouvais pas aller à la poissonnerie puis demander un filet de saumon ou de thon rouge pour qualité tartare. Ça existait pas. Je te le dis. Il m'en vendait pas. Il était comme, why people eating raw fish? Puis là, j'étais comme, parce que c'est bon, tu sais. Fait qu'il pouvait même pas, parce qu'il y avait même pas la certification que le poisson était qualité tartare. Fait que là, je me suis dit, merde. Tu sais, moi, je connaissais quand même juste, tu sais, c'était nouveau pour moi, là. Ça fait peut-être 2 ans, 3 ans, je faisais des sushis. Fait qu'il restait que moi, dans ma tête, c'est comme, j'avais mes petits classiques, tu sais. Souvent avec thon, saumon, tu sais, cru. Puis là, j'avais pas ça. Fait que là, je me suis dit, ben, faut vraiment que j'invente. Fait que là, c'est là que je me suis mis à inventer des sushis avec, mettons, une poêlée de poulet, avec canneberge, pommes vertes caramélisées, puis mettre du fromage brie sur un maquis. Tu sais, c'est là que je me suis mis à faire des affaires qui n'avaient jamais été faites parce que j'avais pas rien d'autre pour les faire. Fait que là, je me suis mis à inventer des recettes. Puis ça a fait le brand que je suis maintenant. Par accident. Vive les rednecks d'Ontario. Oui, 100%. Parce que c'est ce que Catherine me disait souvent. Elle dit, quand vous parlez de l'Ontario, vous parlez de Toronto, mais c'est très redneck, l'Ontario. Ben oui, c'est des mentalités peut-être un petit... Ça va encore à l'église. Il y a encore beaucoup de mentalités comme ça. Puis c'est comme ça que je me suis mis à faire Ça vote pour Rob Ford. Non, mais, c'est ça! C'est ce que, quand tu parles du monde d'Ontario, tu fais Rob Ford, il allait passer, c'est sûr. Quand je suis revenue au Québec, comme ma mère est décédée, en 2010. Cancer de l'œsophage. OK. Comment tu vis ça? Je suis dans mon studio de radio à Penetanguishene à 10 heures de route de Québec. J'ai un Camry 92 qu'on m'a donné pour $1 qui est vraiment sur le bord de mourir, mais qui faisait vraiment la job comme voiture. Et ma mère m'appelle, puis je suis dans mon sous-sol. Je vais toujours m'en rappeler. Genre les enfants qui crient l'autre bord, puis mon co-animateur qui, à l'époque, me tapait ses nerfs. Il le sait, si je n'étais pas capable de le sentir. On sait. Mais on s'aime vraiment beaucoup aujourd'hui, mais tu sais, des fois, la vie. Puis c'est juste drôle. C'est plus facile d'aimer quelqu'un qu'on ne collabore plus avec. Ben oui, exactement. Parce que je n'entends pas taper sur son clavier d'ordinateur là, au bord de ma fenêtre, tellement qu'il tapait fort. Ça m'a toujours agressée. Mais tout ça pour dire que ma mère m'appelle. Puis elle me dit, ouais, salut, comment ça va? Parce qu'on avait quand même une communication de base, mais elle m'appelait, tu sais. Quand elle avait un 25 cents à dépenser pour moi dans la boîte téléphonique. Fait que là, elle m'annonce qu'elle a le cancer. Là, de même. Genre, hey, salut, je vais juste te dire, c'est ça, ouais, je suis malade. Puis là, t'es comme, arrête de niaiser, si t'arrêtais de consommer, tu serais peut-être moins malade. Puis là, je faisais bien des blagues avec ça parce que j'aime ça dédramatiser en faisant de l'humour. Je fais encore ça aujourd'hui. Puis elle m'avait dit, arrête de rire, j'ai le cancer. Puis là, j'ai fait, je te crois pas, t'es une junkie, tu me mens, assurément. Tant que j'ai pas parlé à ton médecin, je te croirais pas. Ben, son médecin m'a appelé. Cancer de l'œsophage, 47 ans. Guérissable. Mais ce qui est drôle, c'est que maman, pendant un an, elle a fait de la chimio puis de la radiothérapie sans m'avoir dit qu'elle avait le cancer, mais surtout en continuant de consommer parallèlement. T'imagines le cocktail Molotov que wow. Ça fait, là? Ouais. Fait que là, le médecin, il m'a appelé, Madame Evrel, votre mère est atteinte du cancer de l'œsophage. Elle a une décision à prendre, mais vous êtes son tuteur légal, donc il faudrait venir à Québec pour être témoin de la décision qu'elle va prendre. Je sais pas comment je suis devenue le tuteur de ma mère, là, premièrement. Ben, t'avais une job, puis t'étais organisée dans la vie. Probablement parce que j'avais un nom quand tu pitonnais mon nom quelque part dans un ordinateur de caisse, là, tu sais, je sais pas. Fait que j'ai pris ma voiture, mon vieux Camry, et je suis allée à Québec. Et, ben, c'était soit qu'il l'opérait puis qu'elle vivait, mais qu'il fallait qu'elle arrête de consommer, ou soit qu'il la plaçait à Michel Sarrazin, qui est une maison de fin de vie. Puis, ben, elle a choisi Michel Sarrazin. OK, comment t'as vécu ça? Ça s'est bien passé parce que pour vrai, j'étais maganée.
était vraiment maganée. Mais son souhait, c'était de mourir ou son souhait, c'était pas arrêter de consommer? Les deux. Wow. Je pense que c'est parce que le seul médicament qui la soulageait sur son lit de fin de vie, c'était de la morphine. Fait que ma mère, elle s'est dit, bon, all you can eat de morphine, je reprends des forces, je sors de là. C'est ça qu'elle s'était dit. C'était son plan initial. Très mauvais plan. Très mauvais plan. Surtout quand tu prends pas compte que t'as un cancer. Fait que bref. Oui, c'est pas un rhume, là. Non, c'est ça. Elle s'en va à Michel Sarrazin. Il y a des gens qui croient pas au COVID, elle croit pas au cancer. C'est génial. Ben, en fait, je pense juste qu'elle vivait pas sur. T'sais, elle était pas là. Je comprends. Là, oui. Fait qu'elle a décidé d'aller en maison de fin de vie. Moi, j'ai appelé mon employeur à Penetang. J'ai dit, boss, je vais rester avec maman dans la maison de fin de vie jusqu'à temps qu'elle n'ait plus de vie. Puis là, je me rappelle, c'est l'été, ça donnait bien. Il y avait des remplaçants, stagiaires, tout ça. Penetang chez nos quatre auditeurs, là. Fait qu'on s'entend que. Monsieur Belcourt, hein, tu sais, je savais le nom, là, tu sais. Oui. Fait que je suis à la maison de fin de vie. C'est ça, j'appelle mon boss, puis il me dit, je peux te poser une question? Puis là, je suis comme, ben oui. Il dit, pourquoi tu t'occupes de quelqu'un qui s'est jamais occupé de toi, tu sais? Hein? Puis là, je suis comme, t'as bien raison, tu sais. Dans ma tête, je fais, ben... Mais j'ai dit, tu sais quoi? Une mère, on en a juste une. Puis je l'aime. Puis elle m'aime. Maladroitement fois mille, je sais. Mais j'ai jamais douté qu'elle m'aimait. Tu sais, j'ai jamais ressenti que j'étais une erreur ou pas désirée ou quoi que ce soit. Puis ça, ça m'a vraiment aidé à être la personne que je suis aussi. Oui, parce que elle, ce que j'entends, elle t'aime, mais elle est malade. Exactement. Parce qu'avant son cancer, son niveau de consommation, c'est une maladie. Ah, c'est même plus. Oui, c'est une maladie. Elle aurait même pas pu arrêter elle-même. Voilà. S'arrêter de la méthadone, un traitement, un suivi. C'était trop deep, là. C'était trop élevé, là. Fait que, tu sais, c'était devenu une maladie, là. J'ai déjà été acheter moi-même de la drogue pour ma mère. Elle aurait pu mourir de pas la prendre. Tu sais, c'est capoté. T'as 17 ans, tu rentres, ta mère est là, elle est en manque, puis t'es comme, si je vais pas y acheter de la dope, elle meurt. Ouais, c'est un truc, tu sais, pour avoir déjà acheté de la drogue à des amis qui ont des problèmes. Quand on entend aussi des itinérants que, oh, je n'ai pas d'argent des itinérants, tout ce qu'ils vont faire, c'est s'acheter de la drogue. Ouais, bonne affaire. Parce que s'ils n'ont pas leur dose, ouais, ils peuvent mourir. Là. Fait que, bonne affaire. C'est vraiment paradoxal puis étrange, mais oui, tu sais. Fait que maman, c'est ça. Maison de fin de vie, j'ai dit à mon boss que j'allais rester avec elle. Il faut le respecter, ça. 27 jours. 27. C'est long, c'est court? C'est long. C'est un chat noir, elle. T'as dit qu'elle avait plusieurs vies, là. Elle était tenace, là. À la limite, j'ai pensé qu'elle allait s'en sortir, pour vrai. À un moment donné, je suis allée voir l'infirmière. Je... Il y a combien de personnes par année qui sortent des maisons de fin de vie? Mais les junkies sont faites fort. Non, mais les junkies sont fous. Oui, c'est du béton, là. Oui, c'est des gens qui s'automutilent depuis des années. Alors... Alors, 27 jours, 27 nuits, ma petite môme est rachitique dans son lit d'hôpital, dans son lit de... Elle peut pas se lever, elle est coincée dans son corps de maigreur, puis de droguée, puis de cancéreuse, puis bon. Fait que, à un moment donné, quelques heures avant de partir, elle était fou. Ce qui était capoté, c'est que ma mère, la morphine, la quantité qu'il donnait aurait assommé n'importe quel humain. Normal. Mais ma mère, elle fonctionnait droguée comme ça dans la vie. Fait que là, il donnait des doses de cheval. Un petit peu plus buzzé, mais je pouvais continuer d'avoir une conversation avec elle parce qu'elle maîtrisait la sensation, tu sais. Fait que ma mère, j'ai pu y parler jusqu'à la dernière minute, tu sais. Puis pas longtemps avant qu'elle parte, tu sais, à un moment donné, elle me dit « Ah, lève-toi, viens me voir. » Puis elle parlait mal parce qu'elle avait une corde vocale, en tout cas, Ouais, le cancer de l'œsophage, je le répète. Ben, c'est ça, là. Elle parlait vraiment comme ça, là, tu sais. Puis là, elle m'a dit, Monsieur Magana Tabarnak. Là, j'étais comme Christ. Mais, hein, tu sais. Puis on sacrait parce que, tu sais, on riait. Ma mère a toujours été comme ça aussi, tu sais. Elle riait, elle dédramatisait. Puis bon. Puis elle me dit, Monsieur Magana. Je suis comme, ouais, pas pire, tu sais. Puis tu voyais qu'elle avait honte. Tu vois, aujourd'hui, j'aurais tellement de choses à lui demander dans le respect. Juste, raconte-moi. Comment c'était la rue, raconte. Tu sais, elle a vécu tellement d'affaires. Tu sais, moi, il y a bien des moments où je passe là devant elle qui fait la rue, puis elle n'a pas de manteau d'hiver quand la veille, j'en avais donné un, puis je suis comme, tabarnak, est-ce que tu me je t'avais donné un manteau hier? Puis elle me dit rien, mais sur son lit de mort, elle me dit, tu sais, le manteau? Mais je l'avais donné à la petite qui était avec moi, elle n'avait plus besoin. Tu sais, t'es comme,
t'étais une bonne personne dans ton monde à toi, tu sais. Fait que je sais, je l'ai toujours su que c'était une bonne personne, puis je le pense encore. Puis tout ça pour dire que c'est ça, sur son lit de fin de vie, elle dit « Toi, comment tu vas, ma fille? » Tu sais, avec toute la honte dans ses yeux, mais les étoiles de me regarder, tu sais, en sachant que je vais bien, mais en voulant savoir. Là, j'explique, je disais que j'ai mon permis, maman, je conduis. T'es comme, aïe, aïe, tu fais attention, là, tu sais, elle savait pas c'était quoi conduire. C'est très maternel, ça. J'ai mon permis, tu fais attention. C'est ça, première affaire, tu sais. Ensuite, plein de gugus, là, tu sais, genre, de base. Hey, fais pas aux autres ce que tu veux pas te faire. Tu sais, elle m'apprenait comme des affaires qu'elle aurait dû me dire. Elle te donne les dernières leçons avant de mourir. Exactement. Puis elle me dit, en tout cas, si j'ai scrappé ma vie, mais je t'ai réussi, toi, j'ai réussi ma vie. OK, comment t'as pris ça? Ben, c'est la plus belle chose qu'on m'a dit jusqu'à ce que mon fils me dise je t'aime pour la première fois. Mais je veux dire, c'était, il y avait rien d'imbattable là, encore à ce jour. Là, je veux dire, tu sais, elle m'a regardé dans les yeux puis elle était comme, hey, tu sais quoi, je me suis scrappée, mais toi, je t'ai réussi. Puis c'est pas pour rien qu'au funérailles, moi, je l'attendais là, sur mon 36. Tu sais, il y a des. Ma mère a 18 frères et sœurs. Okay. T'imagines? Ben, ça explique un peu. Ben, certains sont décédés, tout ça. Je pense, mettons, il en restait 15, là, tu sais, aux funérailles. J'avais 15 potentielles personnes dans la vie qui auraient pu me dire « Hey Geneviève, je te tends la main. » Tu sais, personne... T'sais, oui, il y a des, certaines personnes qui gravitaient, t'sais, qui... Je savais que j'avais des petits anges, t'sais, mais... Tout ça pour dire qu'au salon, il y en a qui pensaient que j'étais l'hôtesse de l'épine gloutier, toi. Mais pas partout, là. J'étais comme « Non, je suis la fille de Mimi. » Puis là, il était comme « Aïe, aïe, OK. » T'sais, il pensait que j'avais fait un petit feu gras tout croche dans oui. Son garrol, là, t'sais. Aïe, aïe. C'est juste... Je caricature, mais tu sais... Non, fait que, c'est ce qu'il pensait. Ben oui, sûrement. Puis finalement, non. Fait que je suis super fière. J'suis juste là. Puis tu sais, j'avais rien pour... ben je disais, je faisais de la radio à Toronto, là. C'est comme... Ça rentre pas. Ah, ça rentre pas. C'est à côté. C'est pareil. Ça rentre pas. Toronto. Ah ouais, tu parles en anglais. Non. C'est radio francophone. des communautés francophones là-bas. Non. Fait que c'est ça. Mais j'étais bien fière. Puis après ça, ça m'a fait comme... Je suis libre. Je me suis sentie libre après. Oh, wow, ça me fascine. D'où vient ton sentiment de liberté? Ben, j'avais comme un enfant à charge. Pas comme, t'avais un enfant à charge. 100% du temps. Qui, peu importe ce que tu fais, va s'automutiler et va détruire ce que tu viens de construire. Mon téléphone sonnait, j'étais toujours dans me demander si on peut retrouver ma mère d'une piquerie avec une seringue de parfum dans le bras, puis des affaires pas possibles en prison. Je les ai toutes vécues, ces affaires-là. Fait que, tu sais, moi, pour moi, à chaque fois mon téléphone sonnait, c'était comme, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui est arrivé? Es-tu correcte? Es-tu morte? Tu sais, pour vrai, quand elle a choisi la maison de fin de vie, je me suis dit, au moins, on va contrôler comment elle va partir. Elle va partir avec de la dignité. Elle sera pas considérée comme une junkie. Ma mère, c'était pas écrit ça dans son dossier médical. C'était écrit atteinte du cancer de l'œsophage. Fait qu'elle est partie, là. Elle est bien partie. Elle mangeait de la crème glacée Quaticook à l'orange une semaine avant de mourir, là. Tu sais, je veux dire, ça aurait pu pas elle être ça. Elle aurait pu mourir battue, par la même manière. Je veux dire, oui. C'est dangereux comme milieu, là. Mais mon Dieu, tu oui. Tu le sais plus que moi, là. Fait que quand elle est partie, j'ai fait comme, OK, là, c'est ma vie. Là, c'est moi, là, qui fait ce qu'il veut, finalement, tu sais, je m'épanouis. Puis longtemps, j'ai pas voulu d'enfant parce que j'étais comme, non, moi, je n'ai eu une, là, 24 ans, là. No way, tu sais. Parce que là, j'avais le sentiment de faire comme, je m'occupe de moi, tu sais, égoïstement, mais ben correct, là. Série de questions par rapport à ton vécu. C'est-tu épeurant de tomber à l'amour? Toi qui as peur de la dépendance, c'est-tu épeurant de tomber à l'amour? Parce que l'amour, c'est une sorte de dépendance, une manière de voir ça. Oui, ça me fait vraiment peur de tomber en amour, mais en même temps, il n'y a rien que j'aime plus que ça, tu sais, dans le sens. C'est paradoxal parce que autant que l'amour me fait peur, mais autant que pour moi, c'est comme un repère. C'est comme, tu sais, moi, je suis une fille de couple. T'sais, comme je te disais, en mon parcours, j'ai rapidement été en couple, longtemps, 3 ans, 5 ans. Tu sais, moi, je suis une fille de couple, puis c'est comme quelque chose pour moi qui me rend confortable. Tu peux être en couple sans être en amour. J'ai déjà fait c'est triste. Non, je veux être bien, tout ça. Mais c'est sûr que j'ai toujours un plan B. Mais je suis faite de même, tu sais. Pas un plan B de garçon, mais comment je me débrouille sans. OK, moi, ça. Non, c'est ça. Moi, j'ai des plans B de fille. Non, j'ai pas de plan B. Des fois, ça se rendait jusqu'à W, mais bref. Non, mais j'ai. Tu sais, en fait, je suis très indépendante de tout. Fait que quand je laisse rentrer quelqu'un ou quand je suis avec quelqu'un. C'est pas cette personne-là sait que je peux me débrouiller sans. Fait que ça ajoute quelque chose aussi où on se prend moins pour acquis parce que tu sais moi j'ai pas besoin de personne, je me suis auto-créé une vie, tu sais, fait que c'est ça.
Je sais comme pas quoi répondre à cette question-là parce que c'est peut-être le côté de ma vie qui est un peu... je suis pas certaine encore de savoir comment mais je suis. Mais ça fonctionne, par contre. Ah, parce mais que oui, t'as des relations amoureuses, j'ai des belles relations, j'ai rencontré des personnes merveilleuses. Tu sais, je veux dire, je peux pas me plaindre, mais c'est ça. En fait, je veux être bien. Puis en fait, c'est ça. Comment... Si je suis avec quelqu'un, c'est parce que je me considère bien, heureuse, confortable. Qu'est-ce qui a fait en sorte que t'es pas une aversion profonde des hommes quand t'as vu les hommes dans leur... dans la pire lumière? Non. En fait, surtout, mettons, mon beau-père violent, la raison pour laquelle je me suis pas mis à détester les hommes et avoir peur d'eux, c'est que j'encouragerai jamais la violence, évidemment, mm-hmm. mais elle était parposante, là. Ouais. Tu sais, il y a bien des fois, j'aurais aimé pouvoir dire à cet homme-là, va-t'en, tabarnade, elle va te mettre à bout, tu sais. Même moi, ma bout, tu sais. Mm-hmm. Et vice-versa. Fait que, tu sais, c'était très violent. Ma mère était quelque chose. Ma mère aurait pu être considérée femme violente aussi, mm-hmm. parce que, tu sais, elle buvait à un moment donné de la bière tellement forte, ça la rendait pas elle-même, là. C'était pire, j'aimais mieux qu'elle soit sa morphine, qu'elle boit genre 4 qu'au 45, là, genre de bière à je sais pas combien de pourcents, puis je sais pas ce qu'il y a là-dedans, ça la rendait folle, là. Fait que, tu sais, non, j'ai pas de problème avec les hommes en général, tu sais, de ma perception d'eux ou des choses comme ça. Mais c'est une bonne chose. Je tiens quand même toujours à... Je suis indépendante, tu sais. J'ai besoin que la personne avec qui je suis soit... Mais c'est pas... J'ai pas besoin, c'est naturellement chez moi, je suis comme... Mm-hmm. Je peux me débrouiller sans toi, là. T'sais. Je comprends. Fait que des fois, c'est un peu difficile pour l'autre de faire oui, mais toi, laisse-toi aller, t'sais, épanouis-toi, genre viens dans mes bras, je vais m'occuper de toi. Puis comme... moi, il y a toujours un côté de moi qui est comme mais je vais me débrouiller tout seul, tu sais. Mais quand je suis avec quelqu'un, c'est parce que j'ai sans, des sentiments. Sans nommer la personne, mais t'as déjà une relation amoureuse avec un humoriste. Et les humoristes, souvent, ont le besoin de partenaires qui sont indépendantes parce qu'on est souvent pas là. Ah oui. On peut pas avoir quelqu'un qui doit tout le temps être à nos côtés. Les humoristes, on doit avoir une femme ou un chum qui. La fin de semaine, je peux pas être là parce que c'est là qu'il y a des spectacles. Ben moi, je faisais et le soir, non, je suis pas là. Ça. Puis moi, c'était des soirées sous chez à la maison pendant des années. La fin de semaine, j'étais pas là, j'étais sur la route. Fait que j'étais un peu en tournée, mais en tournée sushi à l'époque. Fait que c'était ouais, un truc pour les humoristes qui nous écoutent. Trouve-toi une chum ou une blonde entrepreneur parce qu'ils comprennent notre milieu. Ben, et notre réalité. Oui, ah, vraiment, vraiment. Et ils se sont occupés. Fait qu'ils ont pas besoin que tu sois à côté des autres. Non, c'est ça. Mais plus que tu montres ton dépendance à quelqu'un qui a besoin de dépendance, plus que les deux font que. Il y a une espèce de compréhension aussi, mais t'sais, l'autre personne, quand quelqu'un t'attend chez vous, ça gosse, t'sais, tu te sens mal, tu te sens coupable, c'est horrible, t'sais, c'est difficile. T'es comme... Puis là, après ça, tu veux, t'sais, mettons mes clients, t'es comme, ah, Geneviève, prends un dessert avec nous, puis là, t'es comme, ah, ouais, mais là, c'est parce que là, mon chum, déjà que j'étais pas là samedi. T'sais. Fait que quand tu vis une réalité semblable où t'es très compréhensif, ben, c'est plus facile pour l'autre aussi. Fait que ça te donne encore plus le goût de revenir chez vous que de dire, ah, t'es en tabarnak, anyway, là, fait que je vais prendre ma bière tranquille ou pas, elle va dormir que j'arrive, t'sais. Comment tu termines ton contrat de radio avec 4 auditeurs? Comment je termine mon contrat? Ouais, comment tu fais? Bon, je suis assez là. Hey, j'ai fait plein de stations, tu sais. On sait ce que c'est, là, la radio communautaire, la radio francophone, tu sais, blablabla. Je suis arrivée à Montréal en 2011. C'est vrai, t'as jamais vécu à Montréal. J'oublie ça, parce que j'oublie tout le temps ça. T'as jamais vécu à Montréal? Non, j'avais jamais vécu à Montréal. Je suis arrivée en 2011. C'est là que j'ai rencontré ton amoureuse. Ben oui, Steph! Oui! Parce que j'ai. À l'époque, il n'y avait pas de Facebook rencontre, il n'y avait pas de Tinder, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Puis un matin, je me rappellerai toujours, je vivais à Ottawa dans ce temps-là, je faisais de la radio francophone là-bas. Puis bref, je suis sur Facebook, puis j'ai plein d'amis en commun avec cette personne-là. Je trouve cute, je clique, devenir mon ami. Là, il est comme, allô? Puis il dit, on se connaît-tu? Je fais, non, mais on a plein d'amis en commun. Ça a comme commencé comme ça. Puis finalement, on s'est daté. J'étais allée à Montréal le daté. Finalement, il m'a trouvée mignonne. On a eu quelques dates. Puis j'ai fait, hey, tu sais quoi, je viendrais peut-être à Montréal. Puis il est genre, bah, viens chez nous, tu sais. Fait que c'est vraiment comme super rapide. Puis je suis déménagée à Montréal chez lui. Je me suis trouvé une job au FM 103.3 à Longueuil, la plus grosse radio communautaire au Québec quand même. On le prend. Je sais pas si c'est encore son statut de la radio, mais j'ai vraiment aimé ça. Là. C'était vraiment ce qui se rapprochait le plus d'une station. À l'époque, tu étais beaucoup plus sur une carrière de radio plutôt qu'une carrière dans le sushi. Oui, oui, oui. Oh, moi, wow. Je voulais être animatrice radio. OK. Oui, oui, oui. Puis moi, mon rêve, justement, en étant à Longueuil, mais c'est sûr qu'il y a un DG, quelque chose à Montréal qui va m'entendre. Bien sûr, c'est collé. On entend le FM 103.3 là, au centre-ville de Montréal. Là, mm-hmm. Fait que c'est ça, fait que c'était un peu mon rêve, là. Mais je faisais des sushis la fin de semaine, parce que, tu sais, je veux dire, au FM 103.3, en 2011, je sais pas c'est rendu combien le salaire, là, mais mettons, ça, j'y arrivais pas, là. Ben, pas j'y arrivais pas, mais je voulais me gâter. Tu t'enriches pas. Ben, je voulais que ça soit plus facile, tu sais, pas de vivre sur ma carte de crédit, puis pas vivre au pays, tu sais. Je comprends. Bon.
Fait que là, je faisais des sushis la fin de semaine. Puis mon chum de l'époque, qui était le meilleur ami de l'ex-chum de ta blonde, c'est pour ça qu'on s'est connus. Elle avait une vie avant toi. Oui, je connais ce gars-là, oui. OK, d'accord. Tout ça pour dire qu'on était voisines. Donc, c'est devenu mon ami comme ça. Mais tout ça pour dire que ce garçon-là, il m'a dit, tu sais, Geneviève, t'es bonne avec les médias sociaux, tu sais. J'utilisais déjà bien Facebook pour parler de mes affaires puis mon travail. Puis Instagram arrivait. Instagram est arrivé en 2012. Fait que j'ai commencé comme ça. Puis à un moment donné, j'ai été sur Wix.com me faire un site web. Fallait que je me fasse un site, j'avais pas une crise de scène, mais me faire un site web. Puis il y avait comme une fonction pour se faire un calendrier en ligne. Les gens pouvaient réserver des soirées sushi. Fait que ça a commencé de même. J'ai mis en ligne calendrier. Je me suis dit, si je book 4 soirées sushi à la maison par semaine pendant 3 mois, je lâche la radio. Parce que j'avais fait mes calculs, puis je me suis dit, tu sais quoi, je vais l'essayer, je vais le faire, tu sais. Ça me stressait au bout, là. Je devenais... L'entrepreneur, c'était terrifiant. Ben, ça me stressait, oui. Puis non, mais en même temps, j'étais comme... Ah, ce qui me stressait plus, c'est le monde, vont-tu booker? C'était pas... Je me suis dit, si ça se book, je le fais. Mais c'était plus comme, les gens vont être intéressés par ça que j'ai... Bienvenue dans le monde des humoristes. On se dit tout le temps, est-ce que les gens vont s'intéresser à nous ou tout le temps nous oublier? Fait que là, je suis comme, ben, ils vont-tu s'intéresser à ça, tu sais? Puis là, moi, je suis là avec mon Blackberry Pearl, j'essaie de prendre des photos, des plateaux de sushi, je fais ce que je peux pour que ça a l'air bon, mais tu sais, c'est 100% 2012 style, là, avec les filtres, là, genre Polaroid, là, tu sais. C'est pas du tout où on est maintenant avec les médias sociaux, là, tu sais. Puis j'ai mis en ligne un calendrier, mais moi, je connaissais pas tous les paramètres de Wix.com. Fait que j'ai mis un calendrier en ligne en pensant booker 4 jours par semaine pendant 3 mois. J'ai booké 1 an. En 2 jours. Comment t'as fait ça? Ben, j'avais pas délimité mon calendrier, puis j'avais surtout pas délimité les territoires. Fait que j'ai fait Sherbrooke, Val-d'Or, Rouen dans la même fin de semaine, très souvent, là. Wow! Parce que j'étais. Moi, j'ai juste fait, oh mon Dieu, ça boucle, ça m'envoyait des courriels. Moi, je suis poche en français, je répondais avec plein d'erreurs. Je comprends même pas pourquoi les gens. Je sais pas, ça s'est passé. Merci la vie. J'ai aucune idée. C'est parti comme ça. Sushi à la maison, d'un calendrier en ligne. Puis en sachant pas que je plantais des petites graines partout, parce que moi, en allant à Rouen, au Saguenay, en Gaspésie, faire des soirées, moi, je pensais pas que les gens allaient faire. Mais là, tu reviens quand? Puis là, je pensais. Ben, je sais pas, là, je suis là, tu sais. Puis là, non, mais il faut que tu reviennes. Puis là, ça a fait en sorte que j'ai eu des Miss Sushi. Parce que là, je me suis dit, je peux pas aller au Saguenay à tous les semaines. Mais là, il y a du monde qui va des soirées à tous les semaines. Fait que ça me prend une Miss là-bas. Fait que c'est comme ça que j'ai développé mon concept de service de chef privé à domicile. Mais il existait pas. Je pouvais pas, moi, faire Google. Là. Comment, c'est quoi la pyramide d'une entreprise, de ce concept-là, comment ça marche, ça. J'ai tout inventé. Tout inventé. C'est comment apprendre tes sushis à quelqu'un de nouveau? Ben ça me stressait parce que j'étais comme, c'est sûr qu'elle pourra pas faire comme moi, là. Ça sera pas aussi bon. Les entrepreneurs sont comme ça, me fait tellement rire. Non, mais c'est juste couper le cordon, là, t'es comme, non, mais... J'ai tellement pas engagé du monde. C'est pas moi, là. C'est sûr que, tu sais, elle va pas faire mon service à clientèle, elle va pas être là, présente, c'était. Puis à un moment donné, ben j'ai fait là, si... Je peux pas être partout, là. À un moment donné, je me suis vraiment dit, là, non. Je veux me cloner. Au lieu de faire, je veux pas me doubler ou quoi que ce soit, j'ai fait, je veux me cloner. Je vais vraiment expliquer à la personne le mieux que je peux qu'est-ce que je fais. Fait que là, la fille, est venue avec moi dans des soirées pendant peut-être 2-3 semaines, à l'occasion de 2-3 soirées par semaine. Puis là, elle m'a vu faire, elle m'a vu interagir, elle m'a vu expliquer mon menu, elle m'a vu de ça. Puis à un moment donné, j'ai fait « Va, mon enfant! » Comment tu crées une Geneviève Évrel numéro 2, numéro 3, numéro 5? Ben, d'abord, tu dis que... Ben, les recettes. D'abord, si tu suis les recettes, ça devrait bien aller. Okay. Ça, c'est bon, là. Tu sais, le monde, il m'engage, je me trouve bien fine, mais ils veulent bien manger. Ils payent pour ça. Ouais. Fait que ça, c'est déjà une bonne base. Après, c'est une question de feeling. Ça a toujours été ça, moi. Quand j'ai rencontré des miss, là, ou des mister, puis j'en ai eu, ça a toujours été... Je le sais tout de suite. Genre, on est là, puis je suis comme, t'es une miss. T'as même pas besoin de me parler tant que ça. Je le sais que t'es une miss. Puis les fois où ça a fait comme... Puis je me suis pas écoutée, je l'ai regretté. Fait que maintenant, je m'écoute toujours, puis je sais quand t'es une miss. Wow! C'est un profil d'humain. C'est un profil d'humain multitask, qui aime cuisiner, qui aime interagir avec les gens. Tu sais, ça prend plusieurs qualités. Peux-tu m'expliquer la première? Comment t'as la première Geneviève Évrel 2?
Je pense que j'avais fait un post sur Facebook. Et c'est flou. Anne-Julie, là, moi, je me rappelle de son nom. Elle a une magnifique petite rousse super gentille de Québec. Elle était là. Elle venait de l'Abitibi, mais elle vivait à Québec, je pense, pour ses études ou quoi que ce soit. Quelqu'un l'a taguée ou bien elle a vécu une soirée puis elle s'est dit, il me semble que je pourrais faire ça. Quelque chose du genre, elle m'appelle. Je suis comme ça, donne bien parce que Québec-Montréal, je le fais sur un temps. J'avoue que ça m'adonnerait bien de mettre moins de kilométrage sur Maquilla Rio, tu comprends? Fait que, on s'est rencontrés dans un café sur la rive à Saint-Nicolas, sur la rive sud de Québec. On est allé prendre un petit café. Je l'ai filé tout de suite. C'est parti comme ça. Mais à l'époque, tu sais pas comment engager des gens. Ah, tu sais pas, à l'époque, je me dis, ben, je vais l'engager comme travailleuse autonome pour moi. Fait que, tu sais. Dans le fond, c'était pas un payroll du tout. C'était une manière qu'elle me faisait un reçu. Moi, je prends un certain pourcentage du concept parce qu'évidemment, c'est mon idée, c'est mes recettes, tout ça. Fait que je prends un pourcentage, puis elle me facture finalement. On fonctionne comme ça. Au début, je pense qu'elle me donnait ses factures d'épicerie parce que tout appartenait à Sushi à la maison. On avait une caisse pour. En tout cas, honnêtement, ça fait longtemps, là. Mais tu sais, on faisait ça le plus legit de ce qui existait dans ce concept-là. Puis après ça, là, quand ça a commencé à grossir, là, il y a certains moments où légalement, ma paquement, puis plein d'affaires qu'il a fallu qu'on fasse comme « Oh, il faudrait s'ajuster, là, parce que là, maintenant, on est rendu qu'il y a une loi pour ça. » Où il y a, tu sais, parce que là, le service de chef à domicile, à un moment donné, ça a explosé, là. Il y en a pour tout, là. Tu peux te faire une soirée texane, une soirée tacos, tu sais, tu peux tout te faire à la maison, surtout en ce moment. Mais j'ai rendu ça... Ben, mon entreprise a été créée au même temps que le gouvernement, si on veut, puis tous les trucs légaux ont embarqué. Fait que, tu sais, je suis toujours comme full droite, là, tu sais. Mais au début, c'était un peu broche à foin, là, mais tu sais, c'est normal, là. Fait que c'est ça. Mais c'était broche à foin, mais tu sais, je veux dire, mes produits ont toujours été frais, mais je veux dire, c'est toute la structure, c'est du... là. T'sais, c'était... T'apprends. C'est ça, exactement. T'apprends, puis c'est pas broche à foin, c'est bon, j'engage quelqu'un. Comment j'engage quelqu'un? Comment ça? C'est ça. Tu sais, comment on procède? Puis là, j'étais toujours, hey, tu sais, c'est-tu correct comment je fais? Puis tu sais, fait que, voilà. Comment t'as su que t'étais un entrepreneur? C'est moi. Je suis comme ça. Puis, tu sais, je suis une entrepreneur, mais. Je suis une entrepreneur bibitte, comme dirait Nicolas Duvernois, parce qu'on s'est parlé il n'y a pas si longtemps, puis il dit on est bizarre, là. Parce que, tu sais, t'as plusieurs, comme n'importe quel humain, y a des profils d'entrepreneurs, tu sais. Moi, je suis vraiment bizarre, là. Je suis vraiment désorganisée, mais organisée. Tout est dans ma tête. Tu sais, ça fait. Tu sais, des fois, les gens, oh, le siège social de Sushi à la maison. Tu sais, Sushi à la maison, c'est 10 livres de recettes, c'est 25 produits dans 500 IGA, c'est. Tu sais, c'est un magazine maintenant, c'est gros, là, tu sais, les gens, là, des fois, ils parlent, là, sont comme, ils nous écrivent un courriel, là, ils pensent qu'on est dans un siège social au centre-ville de Montréal, là. On est dans un 4,5 au-dessus de mon resto à Montréal, parce que je l'ai loué il y a quelques mois, parce que ça donnait de même, on était nulle part, moi, puis mon adjointe, là, on était sur nos ordis, genre, à quelque part, on gère ce toucher à la maison, tu sais, des fois, les gens sont comme, hé, hey, multinationale, non, tu sais, quand on me compare à Ricardo, je suis comme, oui, mais non, tu sais, merci, mais je suis pas rendue là, mais tout ça pour dire que je le sais, c'est dans moi, puis plus que je gère une business avec des gens qui m'entourent, là, merci la vie, je peux pas faire ça toute seule, là, on s'entend, mais plus que je me rends compte que je suis bonne dans pas grand-chose, mais ce dans quoi je suis bonne, je suis très bonne. Entre autres, inventer des recettes, ça donne bien, là, c'est ça qu'on attend de puis moi. Puis les communiquer. T'as une des plus grandes forces, c'est la communication. C'est ça. Alors, tu peux communiquer tes recettes aux autres, tu peux engager. Si tu communiques bien, c'est une superbe aptitude. Exact. Puis, je communique bien, je l'espère, tu sais, avec autant mon personnel que mes collaborateurs, que mes fabricants, que. Tu sais. Puis, veux pas, c'est ça mon travail, c'est de communiquer plein d'affaires. Mm-hmm. Tu sais, fait que tant mieux. Fait que moi, c'est communiquer, créer, c'est ça. C'est là que tu me veux dans mon entreprise, parce que c'est là que je performe le plus. Puis, je me suis rendu compte de ça il y a même pas si longtemps, là. Tu sais, quand t'es à bout, puis t'es comment, mon Dieu, c'est rendu plus gros que gros. Je fais comment? Puis là, tu fais genre, OK, je vais écrire, juste. Où je suis le mieux? Où faut que je sois ici, dans l'entreprise, pour être le mieux, pour que tout le monde soit mieux? Ben, il faut que j'invente des recettes. C'est ce que j'aime le plus faire. Du jour 1 à aujourd'hui. Est-ce que tu t'entends mieux que les autres entrepreneurs? Ouais. Good. Ouais, je suis pas. Il y en a qui me disent la compétition est forte dans le domaine culinaire ou les restaurants, tout ça. Mais moi, je fais mes affaires. Moi, je fais mes petites affaires. J'ai vraiment la prétention de dire que j'ai pas d'ennemis dans le milieu. Non, je suis pas là-dedans, pas en tout.
je suis la, tu sais, je suis une patineuse de moi-même, tu sais, des fois, là, tu sais, je suis pas quelqu'un qui est mesquine ou quoi que ce soit, tu sais, je veux dire, comme n'importe qui, ah oh, ouais, tu savais de ça, mais je veux dire, non, je pense que je m'en... Puis au contraire, il y a une belle, pas solidarité, là, parce que, tu sais, comme ça, il y a une entraide, tu sais, entre entreprises et entre entrepreneurs, tu sais, no joke, l'autre jour, j'ai DM Nicolas Duvernois, j'avais une question, puis il m'a appelé 5 minutes après, tu sais. Il était tellement content là, de pouvoir répondre à ma question. J'ai comme, puis moi, quand je me le fais faire, je suis full contente de répondre à leurs questions. Puis, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je m'entends bien avec tout le monde. Là. Je suis vraiment contente. Il n'y a pas de... Je suis contente d'entendre ça. Je suis très heureux. Il n'y a pas ça. Pas chez nous. Bonne affaire. Ton quotidien ressemble à quoi? Mon quotidien ressemble à quoi? Mais j'ai un petit garçon de 4 ans et demi en garde partagée. Il est vraiment pas de trouble. Merci beaucoup. Je suis vraiment chanceuse. Ils disent qu'on est des enfants qu'on mérite. Tabarnouche, j'avais pas le goût. J'étais pas bien solide parce qu'il est vraiment nice, là. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, il y a 5 jours, on fait 5-2-2-5, là, la technique de garde partagée qui va vraiment bien. J'ai appris à bien m'entendre aussi avec le fait qu'on m'a quittée, hein, parce que c'est un gros deuil, la séparation, là. Moi, ça a été plus pire que la mort de ma mère, là. On revient à ça. Qu'est-ce qui s'est produit avec cet homme? Qu'est-ce qui s'est produit avec... Ah, ben, il était plus heureux avec moi, là, puis... tu rencontres un homme, de quel âge? Comment ça, au début? J'ai vu qu'il était célibataire sur Hollywood PQ. Il le sait, là, c'est pas comme ça. Yes! Ben, c'est l'ex-chum de Valérie Roberts. Valérie Roberts, maintenant, sort avec Martin Junot. Elle est enceinte de lui. Ils sont magnifiques ensemble. Bref, Valérie quitte David Brown. Moi, je vois ça dans les Hollywood PQ. Je fais « Oh my God, il est tellement cute! » Fait que j'ai écrit un messenger. Let's go! Gant. Ben oui, ça a marché? Ben, visiblement, oui, là. Je suis la mère de son enfant, là. Fait que c'est ça, j'ai écrit un DM. J'ai fait comme « Hey! » Puis on était amis parce que je pense qu'il avait déjà vécu des soirées sushi à la maison. Mais c'était pas moi la miss. Okay, okay, je me sentais un peu moins coupable. Puis en même temps, je connaissais un peu Val, mais pas tant que ça. Je serais pas du genre non plus à faire ça à une amie, mais c'était plus une connaissance. Puis ça faisait quelque temps. Puis bon, j'ai essayé de faire ça le mieux possible. La fille est clean. Non, pour vrai, je suis pas. Non, c'est ça. Fait que j'ai écrit. Puis là, ben, on s'est daté quelques fois. Puis à un moment donné, je suis tombée enceinte pas longtemps. Oh! 2 mois qu'on était ensemble officiellement, mettons, mais 5 mois qu'on se fréquentait. Ouais. Jour 1 qu'on vit ensemble. Je suis comme, je suis en retard, mais c'est sûrement à cause du déménagement, là, je suis stressée. Ça, c'est fou, les femmes enceintes. Les culbutes intellectuelles que vous faites. Non, non, non! Ah oui, ben oui, les femmes enceintes, ben les femmes en général. Non, je veux dire, non, mais les femmes enceintes, vous avez quelque chose de... OK. Ah, je suis pas vraiment... Je suis en retard, le déménagement. J'ai une fille qui m'a conté ça. Elle était sur scène, t'es à 9 mois, elle avait des contractions. Ça peut pas être des contractions, c'est parce que c'est de l'adrénaline de scène. Ah ouais, ouais, sûrement. Oui. Ah, mais j'ai fait ça, j'étais en contraction, puis j'ai exactement dit ça à mon adjointe qui était comme... Geneviève, là, tu te rends compte qu'aux 5 minutes, t'arrêtes de me parler parce qu'il faut que tu respires? Je fais, ben oui, mais elle dit ça s'appelle des contractions, puis t'as des contractions 5 minutes. Fait qu'appelle David, puis j'ai fait comme, OK. C'est incroyable. Fait que c'est ça. Ben, fait que bref, oui, c'est ça. Ça faisait. Qu'est-ce qui fait en sorte que. Je sais pas. Qu'est-ce. Quand tu. T'es enceinte, tu vois le papier. Il y a 2 barres ou 1 barre, je me souviens plus. 2, je pense. Okay. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu le gardes? Ben, c'est. Moi, en plus, T'en voulais pas? Ben, pas que j'en voulais pas, mais j'aimais vraiment beaucoup David, là, honnêtement. Là. Tu sais, je le voyais, là. Plus que dans ma soupe, là. C'était the one de toute ma vie. Puis c'est drôle parce que c'est la première fois de ma vie que j'avais pas de plan B. Pas de plan B, on parle mais pas... Mais je comprends. On parle pas d'homme, là. J'avais pas de... J'étais comme... Ça va être lui. Ouais. C'est la première fois de ma vie que je m'étais dit ça. Fait que c'était encore plus... tu te mets encore plus en danger, tu sais. Fait que bref, je vais le voir. Son cadran sonne en même temps que je sors de la salle de bain. Je m'assois au bout du lit, puis je pleure. Puis il est comme, ça va. Puis je suis comme, oh my God. Puis là, je montre le test de grossesse. La technique du calendrier ne fonctionne vraiment pas. Faites jamais ça, c'est de la stigmate. Tout ça pour dire que... je lui annonce. La technique du calendrier ne fonctionne pas pour un nouveau couple qui fait l'amour aux 20 secondes. Ouais, ça doit être ça. C'est ça l'affaire.
comme... Tout ça pour dire que j'ai dit, regarde, on vit dans le déni 48 heures. On s'en parle pas. OK. J'ai dit, tu vis avec ça dans ta tête, je vis avec ça dans ma tête pendant 48 heures, puis dans 48 heures, on s'en reparle. C'est pour ça que tu t'en souviens avec Steph. Vous avez ça comme eux. On vit dans le déni. Pas dans le déni, mais dans le... Hey, on est pas obligé de parler de tout. C'est pas grave, là. Regarde, on peut faire ça une autre fois. Oui, ça, je peux comprendre pourquoi t'es amie avec Steph. 48 heures plus tard, je vais toujours m'en rappeler. Évidemment, j'étais à Lilo, chez nous. J'étais devant mon ordi, puis il est arrivé de travailler avec une petite mini-veuve. Bouteille de veuve Clicquot. Puis on s'est dit, tu sais quoi, on le fait. Puis on a eu une belle discussion très mature en disant, tu sais quoi, on va pas se le cacher, probablement qu'on sera pas ensemble toute notre vie. Non, pour vrai, ben, on se l'est pas dit comme ça, mais ça voulait dire, regarde, on va quand même se dire tout de suite que ça fait juste deux, trois mois qu'on est officiellement ensemble. On vient de déménager ensemble. Là, notre relation va être basée sur... Tu sais, on va avoir juste connu que tu vas être enceinte. Fait qu'on n'aura pas... Tu sais, il y a quand même des choses qui changent, là, quand ta blonde est enceinte. Et... Bon, fait qu'il va m'avoir connue juste comme ça. On va apprendre à se retrouver quand on va avoir un bébé naissant, ce qui veut dire qu'on va pas se retrouver. Oui. Pantoute. Fait que... On n'avait rien là pour que... T'sais, mais on s'est dit, tu sais quoi? En fait, on a fait un portrait global de notre âge, situation, dans la vie. Puis on s'est dit, pour vrai, moi, je pense qu'il y a vraiment plus de raisons pourquoi on devrait faire un enfant. On s'entendait quand même très bien. Je sais quel genre d'humain c'était, moi aussi. T'sais, moi, je suis une entrepreneur. J'aime ça. Lui aussi, à sa manière, c'est un artiste. Je trouve ça admirable chez lui encore aujourd'hui. Fait que, tu sais, on s'est juste dit, tu sais quoi? Ça peut pas faire autrement qu'un humain est merveilleux. C'est ça qu'on s'est dit. Puis on l'a fait. Puis maintenant, on s'est séparés. Comment c'est arrivé? Ben, on s'est super gros éloignés pour plein de raisons. Le travail, la distance, le jeune enfant, moi qui n'ai pas de repère parce que j'ai pas eu vraiment de parents. T'sais. C'est comment être mère quand t'as pas eu de mère? Super. C'était pas le fun. J'ai pas aimé. 0-2, là. Puis on s'est séparés, il y avait 2,5, tu vois, ça... Est-ce que si j'avais eu des repères, j'aurais été moins stressée, plus organisée, moins... Peut-être que ça aurait pas eu raison de notre couple, là, tu sais. Ça a pas aidé, tu sais. Mais j'étais pas bien, là. Ça a été vraiment difficile, 0-2 ans. Je sais pas quoi faire avec un bébé. Je fais juste pas penser... Je suis absolument pas dans le moment présent. Puis je suis dans le moment présent tout le temps. Pour vrai, là, mais pas présent, là, genre, hein, je touche les... Mais... Tu sais, moi, tu me dis, si je suis à la maison, tu vois ça où dans 2 ans? Puis je vais dire, hey, je sais pas, je suis dans 2 mois, là, pour vrai. Mais fait que moi, je suis tout le temps, là, vraiment pas stressée avec le futur, mais un bébé, là, genre, il était pas encore couché que j'angoissais de si elle allait se lever, si elle allait se réveiller, si elle allait sûrement péter une dent quelque part, si elle allait... J'ai passé 2 ans à faire, il va se réveiller. Il va-tu manger? Il aime-tu ce que je fais? Je suis correct? Ah, c'est lourd. Puis j'ai changé aussi corporellement. Je me suis laissée aller. Les affaires qui ont... Tu sais, j'étais plus bien. J'étais vraiment pas moi-même dans cette sphère-là de ma vie parce que je suis à la maison, continuer de se développer, progresser. De grandir. Tu sais, ça, j'ai toujours été bien là-dedans. C'est personnellement que j'étais pas bien du tout. Là. Je savais pas ce que je faisais. J'anticipais, j'avais peur. C'est ça. Ça a été vraiment tough. Puis ça a... C'est ça, ça n'a pas aidé, fait que... Mais je ramène pas tout à moi, là, ces deux personnes, bon, là, t'sais, mais moi, comme j'ai vu que ça a sûrement pas aidé, là, fait que... Puis ça a été vraiment, là... Ben, tu sais, ça, il a fait qu'est-ce qu'il avait à faire, et il m'a dit « ça marche plus », puis il a pas fait, il a pas, genre, parti pendant un mois, genre, sans que j'aie des nouvelles, là. Il a fait ça comme correct, là. Plus dur que c'est de laisser quelqu'un, on sait que c'est pas plus facile de laisser que se faire laisser, là. Sinon plus, pour la personne qui laisse avec une blonde avec qui t'as un bébé de 2 ans et demi, tu te dis en crise que t'as pété ta famille, tu sais. Fait que c'est un fardeau déjà, tu sais. Quand dans le fond, ben lui, il a fait ce qu'il avait mieux pour lui, puis ce qui est correct, parce qu'avant d'être un parent, on est nous, puis on est des humains, puis il faut être bien, puis heureux, tu sais, pour que l'enfant soit heureux, tu sais. Fait que c'est ça. Ça a été vraiment tough. Mais c'est parce que d'habitude, moi, dans la vie, quand j'ai de la peine, m'en va. Je suis comme « OK ». Mm-hmm. Bye bye. Puis j'en ai eu de la peine pour bien des choses. Puis à chaque fois, je suis comme OK. Mais là, je peux pas faire OK. J'ai un enfant avec cette personne-là. Fait qu'il a fallu que j'apprenne à vivre avec ma peine. C'est comment? Mais ça va bien quand tu deviens en paix. Ça va bien quand tu parles. Ça va bien quand tu appelles une psy, man. Pour vrai, là. Oui. Puis que tu, de façon objective,
une personne te fait voir comment il faut voir la situation, comment qu'est-ce que je peux faire pour m'aider, qu'est-ce que je peux faire. Puis, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est de la fabulation? Oui, qu'est-ce qui ramène pas tout à toi? Vous êtes deux là-dedans, c'est ça, justement, les perspectives. Puis le meilleur est à. Il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi. La vie, ça continue. J'ai 34 ans. Ben là, mettons, j'en avais 32, 33. Mais, fait que c'est ça. Fait que je suis super bien. Puis il y a une super gentille amoureuse aussi qui est la belle-mère de mon fils. C'est quelque chose aussi de faire comme... C'est particulier d'avoir un enfant parce que si tu te sépares pour la première fois de ta vie, tu veux que la prochaine relation amoureuse de ton ex fonctionne. Soit belle. Voilà. Et... Ça, c'est nouveau, ça. C'est tough. Oh my God. Ça a été tough. C'était pas elle. C'était pas en temps. Ça a été comme... un caniche royal, tu comprends? Oui. Que j'aurais trouvé ça top. Fait que ça n'a pas à voir avec la personne, c'est la situation. Puis là, t'es comme, OK, moi, là, cette personne-là, elle donne de l'amour à mon enfant. Puis quand mon gars, il arrive de chez son père, il dit, hey, t'es tellement fine, on a fait telle affaire, ta-ta-ta, elle m'a fait un bateau, elle m'a fait... Puis là, tu fais comme, faut que je dise merci. Pour vrai? Il n'y a rien d'autre que je peux faire de plus intelligent que de dire merci à la personne qui donne du love. Gratuitement, là. Mm-hmm. À pas son enfant, là. À gérer des petites situations, des moments, puis... Non, à un moment donné, j'ai fait comme, tu sais quoi, j'absolue ça, puis je remercie ces humains-là d'être dans la vie de mon garçon. Puis à tous les mois, genre, ben, on se texte souvent, moi puis David, pour plein d'affaires, garderie, tout ça, mais tu sais, au moins une fois par mois, on est comme, man, merci. Autant que ça a été dur, la séparation, autant que je suis comme, j'aurais pas connu cet humain-là, je peux pas croire. De ne pas avoir connu Malcolm. Genre, des fois, j'ai eu mal, j'ai pleuré en boule dans mon lit, dans le lit de mon garçon, quand à un moment donné, la maison est vide dans Titi, quand les deux sont partis, là, mm-hmm. parce que c'était sa garde, là. Puis moi, j'ai gardé la maison, puis là, ci, puis là, ça. Puis là. Mais non, tout ça, ça n'a rien à voir comme. Toute la peine du monde, comme, de ne pas avoir rencontré mon fils, j'aurais pas connu c'est quoi le bonheur, là, tu sais. Là, aujourd'hui, le 02 ans est passé, je suis in charge, tout va bien, j'ai du plaisir, j'anticipe plus rien, je laisse aller, puis il est tellement merveilleux. Là, je connais son caractère aussi, tu sais, 02 ans, c'est dur. Là, je sais, tu sais, comment qu'il est, son tempérament, c'est si, tu sais. Tu peux communiquer? C'est le fun, communiquer avec son enfant. Oh, t'as hâte, oh my God. Wow. My God. Ben moi, je suis très heureux de tout ça. Je trouve que t'es une... Je te connaissais pas. Je t'avais jamais rencontré, là. Non, non. Que je te vois. Je suis ébloui. Je suis époustouflé. Je suis impressionné par l'être humain et l'artiste que tu es, parce que ça prend... Merci. Je trouve que t'es un peu un artiste. Merci d'être présenté devant moi. Merci pour l'épisode. Je te souhaite plein C'était de bonheur. Très chouette. Plein Merci. De détente. Et Merci. Si jamais tu sais pas quoi faire, Nico, il cherche du monde. Non, je déconne. Mais merci beaucoup. Hey, merci à toi. Juste avant, pour ceux qui s'intéressent à toi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils veulent ta nourriture ou entendre tes histoires? Il y a un documentaire sur ma vie sur Crave qui a été fait pendant que j'étais enceinte au tout début. Fait que dans le fond, c'est comme vraiment un chapitre de ma vie jusqu'à ce que je devienne maman finalement. Fait qu'il y a un documentaire, c'est ça, sur Crave. Ben, c'est celui qui avait été à Canal Vie, là. Bon. Ensuite, si vous aimez sushi, tartare, boucher, j'ai comme 10 livres, là, en vente dans les librairies. Fait que ça, j'ai un magazine aussi en épicerie. J'ai des restaurants, donc j'ai des comptoirs qui sont des take-out finalement. Mais pas du fast-food. Je dirais vraiment un take-out un peu plus de luxe. Mm-hmm. Ça veut dire des sushis créatifs, mais plus. Comment je pourrais dire ça? Recherché, si on veut. Très gourmand. Fait que ça, j'en ai un à Québec, Montréal. J'ai des franchisés aussi. Donc, ben oui, j'ai commencé ça. J'avais rien à faire en pandémie parce que là, mes Miss Sushi sont sur pause, malheureusement, parce qu'on peut plus aller chez les gens cuisiner, évidemment. Ça, ça a été vraiment tough, là. C'est mon intouchable touché, là. Mm-hmm. Tu sais, dans la vie, jamais t'aurais pu faire voir qu'on pourrait plus inviter du monde à souper. Fait que Sushi à la maison est sur pause jusqu'à ce que la vie... On arrête de donner le COVID dans le gym. Entre autres. Fait que c'est ça. Fait que mes comptoirs en attendant qui pallient pour le manque de cornichons. Si un jour tu les as pas goûté, tu vas comprendre. J'ai goûté, mais oui. Ah oui, au cornichon. Ah, nice. Fait que c'est ça. Puis sinon, tu sais, je suis très active aussi sur tous les médias sociaux, là, Instagram, Miss Sushi à la maison, entre autres, puis tout ça. Fait que je donne faim. Finalement, moi, c'est ça que je fais.
je donne faim. Fait que je pense que j'en oublie sûrement, mais tout ça est relié à beaucoup de passion, d'amour et de gourmandise. Let's go. Donc, merci de me suivre. C'est bien fin. Let's go. Yeah. Ben, je t'aime. Moi aussi. Tu es super. Je te souhaite que du plaisir pour nous. Arigato gozaimasu. Génial.